Bueno, muy buenos días. Tengo el placer junto al profesor Ricardo Salas, co-director de este seminario Universidad Austral, Universidad Católica de Temuco, de doctorado, de presentar junto a nosotros, tener el honor de presentar junto a nosotros al profesor Marc Hunyadi. Marc Hunyadi forma parte de esta nueva generación de pensadores que, armados con una sólida formación teórica, buscan descifrar nuestras sociedades en su versión contemporánea. Profesor de la Universidad Católica de Lovaina, Marc Hunyadi nació en 1960 en Suiza, hijo de padres emigrantes húngaros, discípulo y ayudante del gran filósofo alemán Jürgen Habermas. Algunas de sus obras han sido traducidas a distintos idiomas. Y en su carrera académica, primero enseñó filosofía en la Universidad de Laval, en Quebec, para luego volver a Europa, donde actualmente se desempeña en Bélgica, más precisamente en la Universidad Católica de Lovaina. Su investigación se orienta siempre en la doble dirección de la filosofía moral y la filosofía práctica. Y me podría atrever, Marc sigue inscrito, tengo la impresión, al interior de la teoría crítica, o lo que entendemos por teoría crítica en sentido amplio. Dentro de sus libros más recientes, quiero compartir este que tengo acá con ustedes, El hombre en contexto. León en contexto, ensayo de filosofía moral, publicado por la editorial SERF en Francia, que será objeto de nuestra conversación hoy día, y recientemente su publicación sobre la confianza. Le cedo la palabra al profesor Ricardo Salas, agradeciendo, por supuesto, la presencia de Marc el día de hoy con nosotros. Ricardo, por favor. Et un grand bonjour, Marc. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer, et quoi qu'il soit sous l'image hein, de notre portable. Mais pour nous, c'est important de te dire directement que ta pensée est tout à fait importante pour ce que nous essayons de faire avec la théorie critique dans les Walmapu chiliens. Ça veut dire, pour nous, la théorie critique ne se réduit pas à la pensée, à certaines catégories des grands penseurs européens ou bien nord-américains. C'est surtout un élan pour découvrir toutes les inégalités qui existent depuis 5 siècles dans notre Amérique. Et qui touche notamment les peuples indiens. Alors, nous sommes en train de faire avec Cristobal un effort pour penser la théorie critique dans un contexte amérindien. Alors, tout ce qui est en train de penser depuis quelques années nous touche vraiment. On est en train de te lire et pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir comment une partie de tes réflexions ont touché nos étudiants, et tu vois, maintenant, on a André qui t'a entendu hein, il y a 3-4 ans quand tu es venu à Temuco, et Paulina Pochard qui est aussi en train de suivre la réflexion sur la question de la théorie de la reconnaissance. Alors, pour nous, c'est vraiment un honneur de t'avoir dans notre séminaire, et évidemment, nous sommes très ravis de te rencontrer et de discuter avec toi. Pas seulement comme un grand intellectuel, mais aussi comme une grande personne et un grand ami aussi. Merci de Merci, t'avoir avec merci. nous. C'est moi qui suis très très reconnaissant, vraiment. Merci. Bueno, Marc, tienes la palabra, por favor, para presentar hoy día tus ideas. Tu veux que je présente un peu Oui. le contexte général? Alors peut-être que je vais partir. Donc j'imagine que vous avez lu le texte. Le texte a été lu, donc je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans le texte.
Je peux peut-être remettre en fait ce problème du contextualisme dans un cadre plus général qui m'intéresse particulièrement, c'est celui de la critique de l'individualisme et notamment, je dirais, ce que j'appelle, si vous voulez, la critique de l'individualisme nominaliste. C'est très important pour moi de montrer toute la profondeur historique du problème de l'individualisme. L'individualisme n'est pas né avec les droits de l'homme, n'est pas né avec le libéralisme. L'individualisme a des racines beaucoup plus profondes que je situe au XIVe siècle avec ce qu'on appelle la révolution nominaliste, avec Duns Scott, avec Occam. Et sans entrer ici dans les détails évidemment techniques, logiques, métaphysiques, etc., du nominalisme, ce n'est pas le problème. Ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que ce qui marque le début de l'individualisme et donc de la modernité au XIVe siècle, c'est cette idée radicalement nouvelle que l'individu peut poser lui-même ses propres fins, ses propres finalités, ses propres buts, que la volonté est autonome. Ça, c'est une idée absolument révolutionnaire qui a émergé donc au XIVe siècle et qui s'est peu à peu développée jusqu'à nous pour former le socle individualiste de notre temps. Vous savez très bien que pour Aristote, la volonté, au fond, ne pose pas ses propres fins. La volonté ne pose pas ses propres buts. Il y a guère de volonté autonome. Il y a à peine de mots en grec pour parler de la faculté de la volonté, tout simplement parce que conformément au monde hiérarchisé de l'époque, à la représentation hiérarchisée du monde de l'époque, eh bien, l'être humain devait simplement s'intégrer à un ordre cosmique, social, etc., préexistant. Et au fond, les fins, les finalités, les buts étaient toujours hétéronomes, c'est-à-dire venaient de l'extérieur, de la nature, de l'ordre naturel des choses, et l'homme n'avait qu'à s'intégrer dans un ordre préexistant. Et donc, cette idée de volonté autonome n'existait pas. Donc, le geste au XIVe siècle, le geste nominaliste fondamental, est absolument révolutionnaire. Est absolument révolutionnaire. Avec cette idée que chacun, chaque individu pris en particulier, c'est la thèse nominaliste évidemment, chaque individu pris en particulier pose lui-même ses propres fins. Et très vite, les penseurs se sont rendus compte que ça posait un problème considérable du point de vue de la théorie sociale, du point de vue de l'ordre social. Parce que c'est ce que j'appelle le problème nominaliste. Ils se sont très vite posé la question de savoir comment est-ce que l'ordre social est possible à partir de cette brique élémentaire, à partir de cet atome élémentaire que sont les individus, si la volonté des individus est autonome et donc potentiellement part dans tous les sens, un peu comme des boules de billard. Comment est-ce qu'on peut faire de l'ordre social avec des individus dont la volonté est libre et qui ne sont plus reliés par une fin naturelle? Celui qui a le plus clairement et le plus génialement aussi, au fond, posé ce problème et résolu ce problème à sa manière, c'est Thomas Hobbes, évidemment. Au XVIIe siècle, puisque c'est exactement son problème. Il part des individus atomisés
Et puis, il montre que ben, si il se passe rien, c'est la guerre de tous contre tous, comme vous le savez. Et là, il montre dans une série d'étapes successives que finalement, ces individus sont contraints à passer en contrat social. Et donc, ça c'est très profond parce que ça veut dire que, et c'est très important pour nous, et pour comprendre notre temps, pour comprendre aujourd'hui, c'est que la solution que la philosophie politique, sociale et politique a apportée au problème nominaliste, cette solution, c'est le contrat social. Ça veut dire que le contrat, la figure du contrat, est le type de relation adéquate pour des individus conçus comme des volontés autonomes. Pour un individu nominaliste, la seule manière de faire lien, de faire une relation avec quelqu'un, c'est de décider par la volonté et par la raison d'entrer en relation avec quelqu'un. Ça explique, là je fais évidemment, je vais assez vite, naturellement c'est des raccourcis, mais ça explique pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, la figure du contrat, d'une manière générale, est importante, elle est essentielle. Premièrement, d'un point de vue symbolique, la figure du contrat social a toujours été essentielle pour les démocraties, puisque, évidemment, c'est l'idée que les individus s'associent librement ensemble pour déterminer quelques règles de coexistence. Et au-delà de ces règles de coexistence, ils sont libres dans leur sphère privée. C'est toute la distinction, évidemment, du public et du privé. Donc, symboliquement, c'est très important, la figure du contrat social, pour la représentation imaginaire, je dirais, de nos démocraties, des démocraties, en tout cas des démocraties occidentales. Et deuxièmement, le contrat est très important pour nous, réellement, pratiquement, parce que c'est effectivement une figure très très importante, un dispositif, le contrat est un dispositif qui devient de plus en plus important dans tous les domaines de l'existence, puisqu'il y a même maintenant des contrats à l'intérieur des familles, etc., etc. C'est cette idée que chacun doit pouvoir juger au mieux de son propre bien-être, d'accord, et de passer des contrats en conséquence. C'est l'idée morale fondamentale du libéralisme, que chacun est juge, chacun est le meilleur juge, chaque individu est le meilleur juge de son propre bien-être. Le plus grand nominaliste politique de notre temps, aujourd'hui, c'est Donald Trump. Alors, évidemment, il ne le sait pas. Hein, il ne le sait pas. Mais c'est un nominaliste. Pourquoi? Parce que justement, c'est un exemple même. C'est pour montrer combien le nominalisme individualiste imprègne notre temps. L'idée de Trump, c'était toujours, rappelez-vous, c'était toujours de dénoncer tous les accords multilatéraux. Le climat, les accords commerciaux, etc. Il cassait ces accords et puis il refaisait des contrats pays par pays. Alors, il refait un contrat avec le Mexique, il refait un contrat avec le Canada, il refait un contrat en Asie, mais il veut casser les règles générales. C'est cette idée très fondamentalement nominaliste, hein, que, au fond, chacun juge de son propre bien et puis entre en relation par contrat avec ses partenaires. Il pense que c'est beaucoup plus efficace, évidemment, de faire ça que de subir une règle générale qui est la même pour tous. Donc ça, c'est un geste politique éminemment nominaliste. Bon. Alors,
Pourquoi je vous rappelle tout ça? Pourquoi je vous parle ici du nominalisme, de l'individualisme nominaliste? Alors la première chose, c'était pour montrer combien la problématique du nominalisme, la problématique de l'individualisme, elle a des profondes racines historiques. D'accord? Donc ça vient de très loin. Et le nominalisme philosophique du XIVe siècle s'est traduit peu à peu dans le nominalisme économique à partir du XVe siècle avec les marchés, la logique de l'économie de marché qui s'est peu à peu imposée. Ensuite, au XVIIIe siècle, ce même nominalisme s'est traduit en morale et politique à travers les droits de l'homme. D'accord ? Les droits de l'homme sont une traduction nominaliste de cet individualisme né au XIVe siècle, d'accord? Et puis, jusqu'à toutes les formes d'individualisme aujourd'hui qu'on constate un peu partout. Donc, la première chose, c'est ça, c'est de dire, je voulais juste situer la profondeur historique du nominalisme, de l'individualisme nominaliste, de l'individualisme qui est notre individualisme, d'accord? Alors, c'est en fait, évidemment, puisque l'individualisme est si profondément enraciné dans la mentalité de notre temps, en Occident en tout cas, ça je peux le dire, vous voyez que c'est très difficile, c'est très risqué, en quelque sorte, d'offrir une alternative à l'individualisme. C'est-à-dire que nous sommes tellement imprégnés d'individualisme que, évidemment, c'est très difficile d'élaborer une alternative théorique. Bon. C'est ce que je voulais faire en deux grandes étapes. Première étape, montrer l'importance du contexte d'une manière générale. Je considère que le contexte a été l'élément le plus sous-estimé de toute la philosophie morale. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est une critique ? Pourquoi est-ce que le contexte permet une critique de l'individualisme nominaliste ? Parce que, précisément, il montre qu'une dimension essentielle de l'individu, c'est non pas la souveraineté de la volonté, la splendide souveraineté de la volonté, mais tout au contraire, la contextualité. C'est-à-dire que il est impossible de penser l'individu sans sa relation au monde, et qu'il est vraiment façonné. Il n'est pas seulement en relation, il n'est pas seulement en relation comme un sujet avec un objet, mais il est vraiment façonné. Influencé, constitué par le contexte. Ça, c'était la première grande étape, et ça, c'est effectivement toute l'étape du livre « L'homme en contexte », et ça nécessitait toute une réflexion méthodologique aussi sur la morale, avec tout ce que j'ai expliqué sur, au fond, la perspective de la première personne, c'est-à-dire qu'il fallait adopter la perspective de la première personne, le vécu, l'expérience de la première personne, avec cette idée fondamentale que le contexte est la première chose qui s'ouvre à la première personne. Et donc, il faut partir du contexte, il faut réfléchir à partir du contexte pour élaborer une théorie morale, et non pas à partir de principes abstraits comme on le fait traditionnellement. Donc ça, c'était un premier geste très fondamental. Et le deuxième geste pour contrer l'individualisme nominaliste, eh bien, c'est d'expliciter la relation qui nous lie au contexte. Ça, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre, qui s'appelle « Au début est la confiance ».« Au début est la confiance », en montrant que la relation, en montrant deux choses, d'abord que la relation au monde, donc la contextualité, la relation au monde, c'est une relation d'abord et avant tout pratique,
et pas théorique, pas de perception, comme par exemple dans la phénoménologie, on insiste beaucoup toujours sur la perception, etc. Mais le premier rapport, ce que je veux montrer moi contre la phénoménologie en quelque sorte, et contre d'autres, contre Habermas, contre d'autres, c'est que la première relation au monde, c'est une relation pratique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette relation pratique, c'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. Nous avons une relation fiduciaire. Fiduciaire, c'est l'adjectif qui vient de confiance. Hein, je pense que c'est la même chose en espagnol, j'imagine. Donc, nous avons une relation de confiance avec le monde. C'est pourquoi j'ai écrit ce dernier livre sur la confiance, pour expliciter, pour expliquer qu'est-ce que c'est que la confiance. Puisque, en fait, il n'y a pas vraiment de théorie de la confiance. Si vous allez de Hobbes à Habermas, il n'y a pas de théorie de la confiance. Or, je considère que justement la relation de confiance est la relation élémentaire. C'est le lien social élémentaire, mais c'est pas le lien, c'est pas seulement le lien social, c'est le lien qui nous relie au monde aussi. C'est le lien qui nous relie au monde. Là, nous sommes tous assis sur des chaises. Nous avons confiance que la chaise ne va pas s'effondrer. Bon, je donne cet exemple trivial. Je ne veux pas développer la théorie de la confiance ici, naturellement, devant vous, mais pour dire que, disons, voilà, le dernier livre. Comme relation au monde, non pas comme relation au risque. Par exemple, pour les économistes, la confiance est toujours une relation au risque et ils veulent réduire le risque, c'est la réduction de risque. Je considère que cette théorie, elle est fausse, et que la confiance n'est pas une relation au risque, mais une relation au monde. Et donc, le thème de la confiance est... intimement lié au thème de la contextualité. L'idée fondamentale, c'est que la relation la plus élémentaire au monde, notre relation la plus élémentaire au monde, c'est pas une relation épistémique, c'est pas une relation cognitive, c'est une relation pratique. Et c'est ça qui constitue vraiment notre connexion au monde. Encore un mot pour vous dire, pour vous parler de la nature de cette connexion au monde. Le cœur de toute ma théorie sur ce point, il était explicité dans l'article que Cristobal a traduit, le cœur de la théorie, c'est la notion d'attente de comportement. Des attentes de comportement, ça c'est absolument crucial. C'est-à-dire... C'est tellement crucial que si on me montrait à moi que c'est faux, par exemple, comme cette théorie est fausse, toute la théorie, c'est faux. D'accord ? Donc, je tiens, c'est très très important pour moi, cette notion d'attente de comportement. Qu'est-ce que c'est qu'une attente de comportement ? Eh bien, une attente de comportement, c'est justement ce à quoi on peut s'attendre concernant le corrélat, donc l'objet de notre action. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, je suis assis sur une chaise, j'ai une attente de comportement qui me vient de la chaise, hein, qui est qu'elle ne s'effondre pas. Vous voyez, ça concerne les choses très simples aussi. Évidemment, ça concerne aussi les personnes. Là, par exemple, vous avez des attentes de comportement à mon égard. Vous avez confiance que je vais faire ce que j'ai dit et dire ce que je fais. D'accord ? Et moi aussi, c'est réciproque. Moi aussi, je m'attends à ce que nous ayons une conversation académique intéressante, etc. Mais évidemment, on a aussi des attentes de comportement à l'égard des institutions. Donc, les choses, les personnes et les institutions. Par exemple, on a des attentes de comportement à l'égard de la monnaie,
par exemple. Mais on a des attentes de comportement à l'égard de la justice, justement. On a des attentes de comportement à l'égard de la police, à l'égard d'un gouvernement, à l'égard, etc. Et ces attentes de comportement peuvent être déçues, évidemment, n'est-ce pas? Et alors, la confiance se brise. Et j'ai bien compris que dans le contexte chilien actuel, il y avait une grande crise de confiance en ce qui concerne les institutions. Bon, pourquoi? Parce que les attentes de comportement d'une institution comme la justice, comme la police ou comme le gouvernement, les attentes de comportement ne sont pas honorées, ne sont pas remplies. Alors évidemment, il n'y a plus de confiance possible. Alors évidemment, je pourrais développer ce thème de la confiance, mais ce n'est pas exactement, le sujet ce soir. Mais moi, ce que j'aimerais redire ici, ce que j'aimerais montrer, enfin, juste revenir là-dessus, sur la critique de l'individualisme nominaliste. Pourquoi est-ce que cette théorie de la confiance et cette théorie du contexte, avec cette notion d'attente de comportement, pourquoi est-ce que cette théorie est une critique, est une réfutation de l'individualisme nominaliste? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, pour l'individualisme nominaliste, la volonté personnelle, la volonté individuelle est souveraine. Elle pose elle-même ses buts. Eh bien, je pense que cette description, cette représentation, cette description de l'individu, elle est fausse. Elle est fausse. La volonté n'est pas souveraine. Et pourquoi elle n'est pas souveraine? Elle n'est pas souveraine parce qu'elle dépend des attentes de comportement qui lui viennent du monde. La volonté ne peut s'exercer que dans un contexte d'attente de comportement qui lui viennent du monde. Ça veut dire la volonté dépend d'attentes de comportement qui ne dépendent pas de la volonté. Qui ne dépendent pas de la volonté. Donc, la volonté n'est pas souveraine, la volonté est dépendante de quelque chose qui ne vient pas de la volonté. Voilà. Et donc, ça veut dire que la notion de confiance, comprise comme je l'ai expliqué, est un très bon candidat pour s'opposer à l'individualisme nominaliste massif, n'est-ce pas, qui caractérise notre époque. Voilà les quelques éléments, disons, très centraux, peut-être qui n'apparaissaient pas dans le texte que vous avez lu, que je voulais vous rappeler pour vous donner maintenant le contexte, je dirais, le plus général, si je puis dire, de mon projet, en fait, de mes idées, de ma théorie. Voilà. Muchas gracias, Marc, por esta introducción a tu pensamiento. Vamos a ir mezclando castellano con francés para que todos nos puedan entender. On va mélanger, on se fait comprendre. Quand j'étais venu au Chili, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, Ricardo avait employé une expression extraordinaire que j'ai gardée depuis et que j'essaye de répéter partout. C'est l'hospitalité linguistique. Voilà, je trouve ça merveilleux. Hay que ponerlo entonces en mármol, en mármol. Il faut dire, Cristobal et Marc, que ce n'est pas une expression à moi, hein. C'est justement Riqueda qui le dit. Hein, qui... Ah bon, juste, oui, oui, hein, il parle de l'hospitalité langagière. Hein. Langagière. Ah, ouais. C'est pas la même chose. Hein. C'est... Non. Oui, c'est pas la même chose. Ah oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Cristobal, je voudrais faire une petite synthèse du fil conducteur de Marc en castillan pour nos étudiants qui peut-être n'arrivent pas à suivre toute la discussion et comme ça ils pourront faire les liens avec les textes que tu as bien traduits. Hein? Alors, mais
c'est rien qu'une sorte de petite interprétation de ce qu'il vient de dire Marc tout à l'heure. Me parece una buena idea, Ricardo. Profesor, un detalle. Cristóbal, ¿puedes activar el chat para ir dejando las impresiones y preguntas, por favor? Ah, oui. Eso sería... ¿No se puede o no? Entiendo que no, Cristóbal, que es el host... Está ahí está, activo. ¿No? ¿Sí? No. Ahí está, debería sí, no sé. Estar activado. Pero sí. Abajo dice chat deshabilitado, Cristóbal. Ya. Bueno, manda un mensaje y mientras tanto yo le hago una pequeña síntesis. Eso. Hagamos eso para ganar tiempo. A los estudiantes. ¿Eh? Bueno, en primer lugar, Marc Hunyadi hace una exposición ligada, ¿cierto?, a una crítica del individualismo nominalista que él considera que viene desde hace mucho tiempo y él lo sitúa fundamentalmente en el siglo XIV. ¿Ya? Y a partir de ahí tiene una serie de impactos en el origen de la modernidad, pero Marc no se interesa tanto en los aspectos lógicos, epistémicos, sino que finalmente en lo que plantea respecto de una idea del individuo. La idea radicalmente nueva que plantea el nominalismo es que el individuo puede proponer sus propias finalidades, y esa es fundamentalmente una idea revolucionaria, porque cambia el viejo ideal griego que venía de Aristóteles, donde la voluntad por sí sola no podía tener su finalidad propia específica. Entonces, Marc insiste, ¿cierto?, en diferentes puntos que esta es una idea revolucionaria, porque efectivamente los individuos plantean a partir de esta concepción sus propios objetivos, lo que viene evidentemente a plantear un problema en relación al orden social. ¿Cómo podemos constituir un orden social si cada individuo tiene sus propias finalidades? Y destaca aquí la figura, ¿cierto?, del gran filósofo Thomas Hobbes, ¿cierto?, que retomando esta perspectiva, llega a construir una filosofía política basada en el contrato social. Entonces, Marc insiste que esta solución en relación al contractualismo resuelve en buena parte las dificultades que tiene esta idea de la voluntad autónoma. Y esto permite que la relación entre los individuos se va a establecer a partir de esta figura del contrato. Por eso que esta idea del contrato se vuelve tan relevante de un punto de vista simbólico, imaginario, de un punto de vista práctico, y que son los temas que están en el fondo de la cuestión sobre la democracia, sobre la familia, sobre una serie de relaciones que se establecen en el plano social. Marc insiste, ¿cierto?, que la perspectiva liberal en que se va configurando esta idea, ¿cierto?, del individuo, tiene un error que él quiere resolver a partir de una concepción propia, y él alude como un ejemplo actual lo que hace Trump, ¿eh? Donald Trump, ¿cierto?, el ex presidente norteamericano, que ha sido parte, cierto, de todas las noticias, haciendo sus propias interpretaciones de los distintos convenios con los países, siempre parcelando y especificando, cierto, acuerdos parciales y no a partir de principios. Entonces, Marc insiste que esta idea del individualismo nominalista es clave para entender, cierto, las ideas del mercado que empiezan a surgir desde el siglo XV, las ideas que comienzan a desarrollarse a partir del siglo XVIII acerca de los derechos del hombre. Por eso él insiste que es muy importante, ¿cierto?, entender lo que ha sido esta larga historia del individualismo nominalista en nuestra concepción de la modernidad. Y es ahí donde él
intenta elaborar su propuesta específica. ¿Cómo se puede encontrar alternativas teóricas a ese individualismo que ha predominado? ¿Ya? Y ahí él insiste en dos puntos. Uno, ¿ya?, que sería como las formas de resolver ese individualismo, sería la importancia que tiene el contexto. Eso es lo que Marc Unjadi dice que ha sido profundamente desestimado, ¿cierto?, en la filosofía moral. Esto quiere decir, ¿cierto?, que el individuo está formado a partir de un contexto que lo va construyendo, y eso lo liga con la idea de la perspectiva de la primera persona. Y un segundo elemento, ¿cierto?, que profundiza, ¿cierto?, y consolida esto, es que la alternativa tiene que ver primeramente con un contexto donde efectivamente la relación se vuelve eminentemente práctica, lo que plantea una discusión con alguna de las tesis de la fenomenología, ¿ya? Y en segundo lugar, cierto que esta relación práctica se basa en una idea de confianza a la cual Marc le ha consagrado sus últimos trabajos, ¿ya? Y es ahí donde él plantea, cierto, que hay que establecer, cierto, un tipo de relación distinta al modo como lo entienden los economistas, que entienden la confianza en el marco de una problemática del riesgo, cuando en realidad lo que hay que entender es que la confianza es la base de nuestra relación con el mundo. Y él termina diciendo que el corazón de su propia teoría, cierto, tiene que ver que la confianza está ligada con las expectativas de comportamiento. Porque yo tengo expectativas de comportamiento, ¿cierto?, de las cosas, de las personas y de las instituciones, yo puedo configurar una relación que vaya más allá de mí mismo. Y es ahí entonces donde Marc encuentra que está la base de la teoría que permitiría refutar el individualismo nominalista. Je ne sais pas si je t'ai trahi, Marc, mais c'est ça que j'ai pris de note. Parfait, c'était parfait. Merci, bravo. Cristóbal. Bien. Ahora entramos en materia. Esto se une directamente con el texto que leímos de Marc Unjadi, que es la aproximación contextualista en moral. Y que ustedes leyeron ya sea en su versión en francés o en castellano. Me gustaría ofrecer la palabra de quién de los estudiantes gustaría comenzar por plantearle su pregunta a Marc. Puede ser en castellano o en inglés. Adelante, Andrés. Hola. Bueno, en castellano, para que todos puedan seguir. A mí me encantó el texto porque es muy corto y está escrito, me gustó mucho. Ahora, se enfatiza en que esta no es una propuesta individualista. Pero, cuando se habla de la instancia última de la moral, Unjadi plantea una hermenéutica del yo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo, si el estadio último de análisis es una hermenéutica del yo, se puede refutar. Yo sé que hay una manera, pero no está en el texto. ¿Cómo se puede refutar la perspectiva individualista? Esa sería mi pregunta. Marc, ¿tú has compris o tú veux la misma cuestión en inglés o en francés? Je ne suis pas sûr, j'ai compris, mais c'est juste la question que je ne suis pas sûr. J'aimerais juste être sûr de la question qui m'est posée. Donc, est-ce que la question, c'est de savoir si ce que j'appelle le stade ultime de la réflexion morale, c'est-à-dire l'identité morale, hein,
En quoi est-ce que ça réfute l'individualisme? C'est ça la question? Pourquoi est-ce que ça réfute l'individualisme? C'est si, ça? Oui, oui, parce que vous parlez de la herméneutique de soi, pour oui. rattacher à cette idée de l'identité pratique. Donc, s'il s'agit d'une identité, d'une herméneutique de soi, et à partir, bien sûr, de l'expérience morale en première personne, expérience subjective, en quoi ça vraiment prend des distances par rapport à un individualisme? C'est ce que je crois que j'ai entendu la question de André, si en définitive, il n'y a pas une contradiction. C'est bien ce que j'avais compris. Alors, merci pour cette excellente question. Je veux préciser par rapport à cela deux choses. La première, c'est que l'individualisme que je réfute, c'est l'individualisme nominaliste. Ça, c'est très important. Parce que tout individualisme n'est pas nominaliste. Par exemple, Marx, Karl Marx, est un grand individualiste, mais il n'est pas un individualiste nominaliste. Pourquoi est-ce que c'est un grand individualiste, Marx, donc je parle de Marx maintenant, pourquoi est-ce que Marx est un grand individualiste? C'est un grand individualiste parce qu'il accorde une importance extraordinaire à l'individu, à la particularité de l'individu. Il veut à chaque fois respecter la singularité de chacun. C'est la base de toute sa théorie de l'aliénation au travail ou de l'aliénation économique ou de l'aliénation par le droit, parce qu'il dit ni le droit, ni l'économie, ni le travail sous sa forme capitaliste ne respectent l'individu. Il applique la même règle à tous les individus. Bon. Ce que dit Marx, c'est qu'un individu authentique, un individu qui n'est pas aliéné, est un individu qui s'épanouit dans sur toute la gamme de ses relations. La relation avec un tu, avec quelqu'un d'en face, la relation plus générale avec le genre humain, la création, l'épanouissement dans un nous. Il y a toute une série, il montre dans un texte de jeunesse extraordinaire qu'au fond, le vrai je, hein, la vraie première personne, eh bien, est une personne qui s'épanouit sur toute la gamme de ses relations possibles. Et donc ça, pour moi, c'est l'exemple même d'un individualisme non nominaliste. Mais c'est un individualisme, n'est-ce pas? Puisqu'il met au cœur l'épanouissement de la personne. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc ça, c'est très important. Parce que, oui, j'ajoute encore, donc, parce que ce qui est vraiment la caractéristique propre de l'individualisme nominaliste, c'est la souveraineté de la volonté. Tout est ordonné, mais si vous voulez, même tous les droits de l'homme, hein, tels qu'ils existent dans les textes européens, et tous les droits de l'homme sont organisés autour de l'autonomie de la volonté, du respect de l'autonomie de la volonté. Donc, pour l'individualisme nominaliste, la liberté de la volonté, l'autonomie de la volonté, cette autonomie de la volonté, elle est vraiment le point majeur. C'est la clé de voûte, hein, c'est la clé de voûte de toute la construction morale et politique. Bon. Et donc, évidemment, chez Marx, par exemple, on ne trouve pas ça, on ne trouve pas cette primauté de la volonté, mais on trouve un individualisme. Donc, c'est pour ça que c'est très important de dire que si vous voulez, le travail que je mène, c'est vraiment contre c'est pas contre l'individualisme en général, hein, c'est contre cette forme dominante de l'individualisme nominaliste qui, alors, a pour conséquence
aussi de mettre, comme j'ai essayé de le montrer rapidement, le contrat, par exemple, au cœur des relations sociales. Hein? Encore une fois, le contrat est le type de relation sociale adéquate pour un individu nominaliste. Mais pour l'individu marxien, n'est-ce pas, pour l'individu de Marx, le contrat n'est pas du tout une relation adéquate. Ce n'est pas venu à l'idée de Marx qu'on devait passer des contrats les uns les autres. Bon. Donc ça, c'est la première chose très importante. Et puis la deuxième chose très importante, c'est que dans mon livre « L'homme en contexte » et dans l'article que vous avez lu et dans d'autres travaux, il faut bien comprendre que quand je parle du point de vue de la première personne, qui pour moi est effectivement le point de départ méthodologique de toute l'affaire, je n'entends pas par là, si vous voulez, un sujet, un individu réel, moi ou toi, ou etc. Le point de vue de la première personne, ce n'est pas un point de vue ontologique. Ce n'est pas de dire qu'il y a la première personne, il y a le « je », il y a l'individu. L'idée, c'est de dire que c'est un point de vue, justement. C'est le point de vue du « je ». C'est le point de vue que nous éprouvons, par exemple, quand nous avons mal, quand on éprouve une douleur. La réalité de la douleur, elle est subjective. Il n'y a pas d'autre… La réalité… même de la douleur, la réalité ontologique, si vous voulez, de la douleur, elle est subjective. On ne peut pas ressentir la douleur. Ok, c'est reparti. Donc, d'un point de vue méthodologique, ce que je défends, c'est un perspectivisme pronominal. D'accord ? Ce qui veut dire que chaque personne, vous et moi, chaque je, peut adopter, est capable d'adopter, c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain, une autre perspective pronominale que la sienne. D'accord ? Par exemple, dans l'empathie, eh bien, j'adopte la perspective du « tu ». N'est-ce pas ? Voilà, on voit quelqu'un qui souffre, comme on dit, on souffre pour lui. Mais en réalité, non, parce que ce n'est pas notre douleur. La douleur, c'est qu'en première personne. Mais lui, il éprouve une douleur et je souffre pour lui. C'est de l'empathie. Mais ça, ça n'existe que parce que l'esprit a cette capacité de se transposer au tu. Maintenant, il y a des réalités qui n'existent qu'en troisième personne, que le il. Par exemple, faire des statistiques sur une population, sur toutes les statistiques que l'on connaît, ça nécessite d'adopter la perspective du il. Il n'y a pas de statistiques en je, il n'y a pas de statistiques en tu, il n'y a que des statistiques en il. Et puis, il y a aussi des sentiments, comme le sentiment patriotique ou le sentiment d'appartenance culturelle, qui n'existe qu'en nous. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de la perspective de la première personne, c'est toujours une perspective pronominale, c'est une perspective, ce n'est pas une thèse ontologique sur l'individu, qui serait le point de départ nécessaire de la réflexion. Vous comprenez ? Ce n'est pas un point de départ ontologique, c'est un point de vue, c'est l'adoption méthodologique du point de vue du je. Le je peut se déplacer en tu, peut se déplacer en il, peut se déplacer en nous. C'est pour cela que nous pouvons avoir
une identité universaliste, par exemple. N'est-ce pas ? Nous pouvons adopter le point de vue du genre humain. Nous pouvons faire cela. C'est toujours un jeu qui se déplace vers différents points de vue. Ce perspectivisme pronominal est tout à fait essentiel dans la constitution de la théorie morale, parce que, évidemment, je dis qu'il faut partir du jeu, parce que c'est le vécu, mais à partir du jeu, je peux me déplacer vers le tu, vers le il, vers le nous, et vers, au fond, l'universel aussi du genre humain. Donc, ce n'est pas parce que je pars du jeu que je reste dans le jeu. Ma thèse n'est pas du tout solipsiste, c'est même tout à fait le contraire, évidemment. D'accord ? Sauf que, donc, il y a cette dimension essentielle qui est la capacité de l'esprit humain, la capacité de l'esprit humain d'adopter des perspectives différentes. Alors, maintenant, je réponds, après ces deux grandes précisions, je réponds à la question, n'est-ce pas, que quand je parle d'une herméneutique de soi, une herméneutique de soi n'est pas une herméneutique de l'individu nominaliste, solitaire, atomisé, enfermé sur lui-même. L'herméneutique de soi est une herméneutique de ce que nous voulons être, hein, à partir de tout ce qui nous nourrit au fond dans le contexte, ça, c'est le point de départ évidemment, vers la contrefactualité, vers tout ce que nous souhaitons être, mais que nous ne sommes pas encore. Mais ça n'implique en rien une perspective égologique. D'accord ? L'herméneutique de soi au fond est hospitalière, pour reprendre cette belle expression, hein, l'herméneutique de soi est hospitalière au tu, au il, au nous. N'est-ce pas ? Le soi n'est pas un atome clos sur lui-même. L'herméneutique de soi, c'est justement cette herméneutique qui rend justice à la factualité de ce que je suis et à la contrefactualité de ce que je souhaite être, tout cela dans cette contextualité, hein, qui nous informe. Donc, l'herméneutique de soi n'est pas individualiste. Andrés, ¿lograste aprender algún elemento? Yo creo que sería bueno, Ricardo, hacer una pequeña síntesis de la respuesta, ¿cierto? Y la respuesta de Marc, y Ricardo me puede corregir, giraba básicamente en oponer lo que sería una egología y la construcción de una voluntad abstracta, un individualismo abstracto, de lo que sería la idea de un individuo relacional. El individuo no desaparece en el pensamiento de Marx, eso es lo que nos recuerda Marc Unyadi, sino que lo que ocurre es que en el individuo de Marx, el individuo marciano, se visibiliza su condición relacional a partir de un punto de vista orgánico, un individuo que está orgánicamente unido, entrelazado con un mundo, con otros, y concretamente que esa relación es sobre todo dando cuenta de la mediación que ocupa en Marx el trabajo. Si bien Marx no habló del trabajo, el punto que él trata de expresar, intuyo yo, va en este sentido. Y lo segundo es que, a diferencia de una egología, Marc Unyadi quiere hacer la inflexión de que es distinto hablar de una egología teórica que de una perspectiva. Partir hablando de la perspectiva en primera persona, que es la perspectiva en que concretamente estamos situados, con la posibilidad de proyectarse en otras perspectivas. La posibilidad de proyectarse en una perspectiva desde la segunda persona y adoptar esa perspectiva, o incluso adoptar la perspectiva de la tercera persona, singular, en determinadas situaciones, incluso, por ejemplo, los sentimientos patrióticos
cuando se adopta la perspectiva de una primera persona plural, nosotros. La hermenéutica de sí es la hermenéutica de lo que se quiere ser, es decir, contrafactual, a partir de lo que concretamente nos determina, a partir de lo que factualmente nos determina, que es un cierto contexto. Es básicamente esta la idea a la que apunta Marc, lo que implica en consecuencia que tampoco su postura tampoco consiste en diluir el individuo en un espíritu absoluto, a los Hegel, ni tampoco diluir al individuo en una dimensión secundaria o objetiva de lo social, donde se transforma en un accidente de una sustancia, por retomar el lenguaje espinocista, ¿no es cierto, Cristian? Espero haber sido fiel a la palabra de Marc. Merci. Paulina, por favor, adelante. Je peux juste dire, donc, effectivement, pour résumer la réponse à Andrés, Cristóbal, tu l'as très bien dit, une herméneutique de soi n'est pas une herméneutique égologique. Voilà, ça c'est, ça résume. Paulina. Gracias, Cristóbal. Pero no sé si quieren redondear más la respuesta a Cristian, Andrés, perdón, ya estoy en la respuesta a Andrés, porque yo quería formular una pregunta que me parece que viene como a continuación de con la teoría de la alienación, ¿te fijas? Entonces, por un lado, estaría esa indicación, ¿eh?, como previa, y la segunda, que el tomar el punto de vista del actor, ¿no?, significa entrar en una relación con todas las funciones prenominales, donde el yo nunca está encerrado sobre sí mismo. Está abierto al tú, al él, al nosotros, y en ese sentido, Marc es muy claro cuando insiste que justamente por la idea del yo podemos tener un concepto de una identidad universal. Entonces, por eso que puede concluir Marc de una manera tajante y clara, digamos, que la hermenéutica de sí no es una hermenéutica egológica, ¿ya? Es una hermenéutica que se abre entonces al conjunto de las relaciones que podemos llegar a tener. Y en ese sentido, es una respuesta clara a lo que André estaba preguntando. Paulina, ¿tú puedes leer tu pregunta en francés? La última vez que entrevistamos a Emmanuel Renaud y a Christian Lazzeri te salió perfecto. Así que no veo por qué no te va a salir bien en esta oportunidad. Yes, I can. No creo que me va a salir tan bien, la otra vez había ensayado. Quizás léela tú mejor y yo leo la mía en castellano. Si no, va a ser muy desastroso. Envíela de nuevo porque no la logro ver. Ah, ok. ¿Está en el chat, Cristóbal? Está en el chat, está arriba después de la de Carlos. ¿Pueden mandarla de nuevo, por favor, que estoy...? Sí, tranquilo, la mando de nuevo. Entiendo perfectamente. Un segundo, va. Paulina, si quieres la dices. ¿Sí? Español y yo mientras la mando al profesor. Ya, gracias.
Gracias, María Beatriz. Gracias, gracias. La cooperación. Ok. En castellano es... Un segundito. Asumiendo que el contextualismo es un enfoque... Ahora se me fue para arriba. Un segundo. Perdón. Ya. Asumiendo que el contextualismo es un enfoque que plantea que la moral está contextualizada en las trayectorias o recorridos del individuo en sus mundos de vida, constituyendo un contexto que se compone de múltiples capas, la interpretación de las experiencias morales estaría contenida o al interior de las posibilidades de esos mundos de vida. Si lo anterior es correcto, para ampliar o modificar las experiencias morales individuales, ¿habría que trabajar con los mundos de vida de las personas? Merci. J'aimerais faire une remarque préliminaire. C'est que ici, Paulina, elle parle de la morale está contextualizada. Je ne dirais pas ça. La morale n'est pas contextualisée. Elle est contextuelle. Parce que le problème, c'est que si on dit qu'elle est contextualizada, ça veut dire qu'il y a quelque chose à contextualiser, qu'il y a des principes abstraits, non contextuels, qu'il faudrait ensuite contextualiser. Je pense que cette représentation n'est pas correcte. Je pense qu'il n'y a pas de principe décontextualisé. Donc, voilà. Donc, c'est important de dire. C'est pour ça que, si vous voulez, dans L'homme en contexte, dans mon livre L'homme en contexte, je propose une théorie morale complète. J'appelle ça complète. En fait, c'est une métathéorie. Ce n'est pas une théorie, c'est une métathéorie. Mais bon, peu importe. Une théorie complète, ça veut dire que justement, il n'y a rien à contextualiser. La morale, elle est contextuelle. Et les principes que l'on trouve, par exemple, les principes que l'on établit, par exemple, les principes universalistes des droits de l'homme, par exemple, ne sont pas justement des principes abstraits. Ce sont eux-mêmes déjà des principes contextuels. Je pense que Kant, quand il a élaboré sa théorie, en fait, il a donné la formulation de l'universalisme de son époque. D'accord ? Et je pense que c'est une erreur de la part de Kant, de se comprendre lui-même comme, au fond, n'ayant établi que les lois objectives de la raison. Donc, lui les interprète comme les lois objectives de la raison, exactement de la même manière que Habermas. Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez bien Habermas, mais c'est exactement la même chose chez Habermas, qui pense trouver des principes universels dans la communication. Alors, c'est plus la raison de Kant, c'est la communication langagière, mais je pense que c'est une fausse description, une fausse compréhension d'eux-mêmes. Kant, une fausse compréhension de Kant par lui-même, une fausse compréhension de Habermas par lui-même. Je pense par exemple que Habermas ne fait que expliciter, en réalité, il ne fait que expliciter l'identité morale de la démocratie idéale, on va dire, ou de la démocratie, du principe démocratique. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc ce n'est pas une contextualisation, c'est une morale contextuelle. Maintenant, ce qui concerne la question... Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que si on veut élargir ou modifier nos expériences, cet élargissement ou cette modification ne peut venir en fait que des acteurs eux-mêmes,
et donc de ce que eux-mêmes vivent. Et donc, par conséquent, la seule chose qu'on peut faire pour essayer d'aller convaincre quelqu'un dans une autre culture, par exemple, n'est-ce pas ? C'est pas de lui prouver qu'on a raison ou qu'on a de meilleures raisons. La seule manière de faire, c'est de montrer en exemple, de se montrer en exemple pour lui faire voir ou sentir ou expérimenter que, au fond, les choses peuvent être différentes de chez lui et peuvent être peut-être pour lui meilleures. Mais c'est évidemment à lui de s'approprier cette expérience. Mais donc, quand vous dites, quand Paulina, vous dites « faudrait-il travailler avec les mondes de vie des gens ?» Oui, il faut travailler. Mais ce n'est pas… évidemment, c'est pas… Si vous voulez, il y a un exemple classique chez Michael Walzer. Dans son livre « Les sphères de justice », il parle à la fin des castes indiennes, très hiérarchiques, etc. Et puis, effectivement, il dit, ben, au fond… On n'a pas grand-chose à dire, on n'a pas grand-chose à opposer au système des castes indiennes. On n'a pas des meilleures raisons qu'eux, parce que, en fait, le système des castes dépend de toute une vision du monde, de toute une architecture ben, qui n'est pas la nôtre, qui nous choque, mais bon, qui n'est pas plus vrai ou moins vrai que la nôtre. Ce n'est pas une question de vérité. Et moi, j'en tire la conséquence. Ce n'est pas la conséquence que lui en tire, mais que Walzer en tire. Mais moi, j'en tire la conséquence que la seule chose qu'on peut faire avec les castes indiennes, c'est de montrer notre exemple, de montrer comment on vit sans caste, comment on vit là où il n'y a pas cette hiérarchie stricte, etc., de manière à ce que, dans leur monde de la vie, ils s'approprient éventuellement cette expérience pour eux, étrangères. D'accord ? Du coup, dans ce cas, si je prends cet exemple de quelqu'un qui au fond, représente un exemple pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que pour celui qui vit dans son monde de vie, dans son monde de la vie, notre exemple devient quelque chose de contrefactuel. Puisque, au fond, ce qu'on lui présente à travers un exemple, ce qu'on lui présente, c'est une autre possibilité de vie, une autre possibilité de se comprendre soi-même, une autre possibilité de comprendre la vie sociale, etc. Du coup, pour lui, c'est un élément contrefactuel, puisque ce n'est pas le cas chez lui, il le voit ailleurs. Et évidemment, à partir de là, c'est à lui, dans son monde de la vie, de s'approprier, s'il le souhaite, à sa manière, cette contrefactualité là. Cette contrefactualité là. D'accord ? Donc, je pense, par exemple, donc, à travers cet exemple, cette exemplarité, hein, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, ce qu'on voit, c'est d'autres mondes de la vie, hein, qui deviennent contrefactuel pour nous et qu'on s'approprie ensuite à sa manière pour transformer son identité. Est-ce que c'est... Gracias, Marc. Paulina, creo que tú entendiste la respuesta en francés. Un poco. Yo creo que las ideas centrales, pero... Sintetizar un poquito, igual estaría bien, creo yo. Vamos a sintetizar con Aristóteles. ¿Mm? Ah, caramba, eso no es sintetizar. Wow. Sí. Mira, en esto se marca la diferencia, la oposición. Mira dónde estoy poniendo a Marc Hunyadi. Marc Hunyadi versus Aristóteles. Wow. Aristóteles, en la ética de Nicómaco, él reflexiona sobre el derecho, ¿cierto? Sobre la ley. Y siempre señala que la ley no coincide del todo con la justicia, y por lo tanto, en su formulación abstracta, la ley tiene que estar sometida a corrección,
de acuerdo a los principios de la equidad y la justicia. Estas son expresiones que después entran en el vocabulario jurídico de los abogados, ¿cierto? Y que debe ser entonces interpretada en un contexto determinado. Por lo tanto, el contexto operaría como correctivo en Aristóteles. Pues bien, eso no es lo que quiere decir Mark Hunyadi. El contexto no es un correctivo, todo lo contrario. Es la simiente a partir del cual todo discurso moral puede llegar a ser edificado. Entonces nos encontramos frente a un giro sustantivo, yo diría que incluso copernicano, porque es algo que genuinamente distingue el pensamiento Hunyadi de la tradición de la filosofía moral, nada menos. Y eso, digamos, son palabras mayores, a lo cual yo le agregaría quizá dos detalles. De que Mark Hunyadi, en esa respuesta, reconoce que hay pensadores que pueden entrar más cerca de esa concepción. Él citó el caso de Michael Walzer y su libro Las esferas de la justicia. Hay un segundo libro de Walzer donde reflexiona un punto de vista epistemológico de la relevancia del contexto. Entra en ese grupo Hegel, la Sittlichkeit hegeliana, pero con un paréntesis, con una nota de prevención que hace Marx en su texto, y eventualmente Rorty, porque incluso con Honneth Marx tiene diferencia. Ahora, eso es respecto a cómo se construye este discurso moral. ¿Te das cuenta tú? Desde ese punto de vista, tu afirmación él la comparte, de que es posible trabajar, la palabra trabajar probablemente una palabra maladroite, diría yo en francés. Travailler, porque el trabajo tiene una connotación semántica muy precisa y determinada. Pero sí de que definitivamente existe una inserción de la moral, o las experiencias morales, y de las expectativas morales de lo que debería ser las cosas, con el mundo de vida de las personas. Ese concepto de mundo de vida, tal como tú lo estás tratando de introducir, Mark Hunyadi lo comparte. ¿Ya? Estoy siendo muy sintético, pero creo, Ricardo, creo haber logrado expresar el espíritu de Mark. Yo creo que lo que sí agregaría, porque creo que Mark le da relevancia a eso, es que efectivamente, enfrentado a culturas diferentes que no tienen nuestros modos de vida, nuestra manera, ¿cierto?, de testimoniar la vida humana en nuestro modo de vida puede transformarse en un elemento contrafactual para la otra cultura. Y eso entonces es el punto importante. No le llevamos al otro la respuesta, sino que simplemente le decimos, se puede también vivir de esta manera. En el ejemplo de Marx, no tenemos castas, pero podemos vivir muy bien, ser humano, plenamente. Y ahí entonces el tema de la contrafactualidad me parece aquí un elemento clave que señala Marx. Punto del debate, es importante, a mi punto de vista, clarificar algo, Marc, que lo mencionó María Loreto Torres, que está acá presente, en su primera intervención en el chat. Yo lo hice al tiro en francés, lo hice primero en castellano. ¿Por qué hablar de factualidad y contrafactualidad? ¿No deberíamos hablar acaso de factualidad y normatividad? Si estamos en el plano del deber ser, lo natural es que hablaríamos de una dimensión fáctica del contexto y también de una dimensión normativa que se puede plantear a partir del contexto. Je le dis maintenant en français. Pourquoi Mark Hunyadi parlait de contrefactualité? Ce n'est pas une expression maladroite? Je vous pose la question, et cette question avait été posée par Maria Loreto, et moi je la partage. Ne sera plus simple et même plus précis parler de normativité, du fait que le contexte, il a bien une dimension matérielle, factuelle du contexte, mais aussi un potentiel normatif
qui est impliqué avec cette dimension de factualité et qui permet de projeter un devoir être, on peut dire. On vous écoute. Merci. Oui. Là aussi, c'est une bonne question. Et c'est une question que je me suis posée moi-même il y a 10-15 ans quand je commençais à travailler sur l'homme en contexte. Je crois que la raison est la suivante. La raison que je peux donner est la suivante. C'est que ce qui m'importait, c'était de montrer dans toute son étendue la teneur de notre relation au monde, d'une manière générale. Et il me semblait que les catégories les plus englobantes pour exprimer cette relation, c'était les catégories de factualité et de contre-factualité. Ça me semblait très important pour ne pas tomber dans le piège empiriste à la Hume, à la David Hume, par exemple, de distinguer le factuel et le normatif. Ce qui me semblait très important, c'était de montrer que dès le départ, donc dans notre relation la plus originelle au monde, il y avait un mélange indissociable de factualité et de contre-factualité qui n'est pas forcément de la normativité. Ça veut dire que ce que vous appelez, et ce que dans la tradition on appelle la normativité, c'est une partie, effectivement, c'est une partie de la contrefactualité. Mais il y a beaucoup de modes possibles de la contrefactualité. Par exemple, vous voyez dans un exemple que j'ai donné dans L'homme en contexte, un exemple que j'aime bien et que je reprends aussi dans le texte qui a été traduit par Cristobal, je parle de la poignée de porte. Pour moi, c'est très essentiel pour comprendre, au fond, notre relation au monde, c'est très essentiel de voir qu'une poignée de porte n'est pas qu'une poignée de porte. Ce n'est pas juste un objet matériel. C'est quelque chose à utiliser. Et c'est quelque chose qui demande à être utilisé. Et donc, c'est un objet qui a une certaine forme d'injonction. Je dois pouvoir l'ouvrir, je dois pouvoir l'utiliser d'une certaine manière pour que ça marche. Personnellement, je me refuse à considérer que ça, c'est de la normativité. Je ne dis pas qu'il y a une normativité de la poignée de porte. Ça me semblerait impropre. Ça ne me semblait pas correct. C'est de la contrefactualité. C'est-à-dire, il y a la matérialité de la factualité et il y a la contrefactualité de l'attente que, au fond, la poignée de porte manifeste à l'égard de l'utilisateur. De cette manière, avec ce concept de contrefactualité tellement englobant, eh bien, je peux avoir une vision, c'était ça le but fondamental, je peux avoir une vision continuiste de la contrefactualité. Sur cette échelle, ou sur cet arc de la contrefactualité, à un moment donné, apparaît la normativité, c'est-à-dire vraiment des règles de comportement, des règles plus morales, etc., qui, au fond, constituent ce qu'on appelle la normativité. Mais justement, je voulais montrer qu'il y avait une continuité, qu'il n'y avait pas d'un côté les faits et d'un autre côté les normes. Parce qu'alors, on est dans ce dilemme empiriste de comment est-ce qu'on passe des faits aux normes et tout ce que ça implique après de dire que l'objectivité, c'est que les faits, toute cette discussion, tout ce paradigme empiriste
n'est-ce pas, qui nous dit après que l'objectivité, c'est que les faits, et puis après, les normes, c'est subjectif, ou, etc., etc. On connaît ces discussions. Moi, je voulais montrer que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que la normativité fait partie de la contrefactualité, et la contrefactualité fait partie de notre expérience la plus élémentaire du monde. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je parle de contrefactualité et pas de normativité. Et c'est la même chose, j'ajoute, c'est la même chose pour la confiance. Hein? Quand je parle de confiance, c'est un pari sur les attentes de comportement, c'est la définition que je donne de la confiance. Ça me permet d'avoir une vision parfaitement continuiste de la confiance, de montrer que le nouveau-né qui tète le sein de sa maman, n'est-ce pas, doit déjà manifester une certaine forme de confiance, que quand on marche sur le sol, quand on marche dans la rue, on doit manifester une sorte de confiance pour le sol, pour la dureté du sol, n'est-ce pas? Et comme ça, là aussi, de manière continuiste, on arrive à des formes plus compliquées de confiance entre les personnes, avec les institutions, etc. Mais tout ça sur un arc continuiste. Je veux absolument, il me semble vraiment, c'est un péché de la philosophie de mettre comme ça des alternatives qui construisent des apories après dont on ne peut pas sortir. Par exemple, fait et norme. Ou bien esprit et corps. Il y a plein, l'histoire de la philosophie est pleine de ces dualismes dont on ne peut pas sortir. Alors, il me semble que le concept de contrefactualité était en quelque sorte, comme celui de confiance, comme je le définis, était une manière de pouvoir sortir de ces dualismes paralysants. Micro. Parfait. Pour moi, c'était transparente, votre réponse. De mon point de vue. Es que se entendió la respuesta porque fue extraordinariamente clara. María Loreto, ¿usted incluso lo logró entender en francés? ¿Sí? 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 María Beatriz, ¿usted quiere una traducción? Sí. Ok. Es bien claro el punto. Es bien interesante el punto de vista de Marc Hunyadi. Él no quiere hablar... El hecho de que nuestra relación al mundo o las cosas que nos rodean no son solamente materiales, sino que la experiencia es una imbricación de elementos sensoriales. La experiencia del mundo es al mismo tiempo una interpretación que hacemos de este mundo. No está separado lo uno de lo otro. No nos relacionamos solamente con objetos, nos relacionamos al mismo tiempo con valores. Y por eso, y eso, bueno, eso ya está en Nietzsche, por ejemplo. Y por eso, porque a partir de esta respuesta, es que él afirma que lo factual está unido con lo contrafactual. Lo material no es nunca puramente material, ¿ok? Eso en la experiencia no es así. Ahora bien. Como en el ejemplo de la puerta, il faut donner l'exemple. Por ejemplo, je le vais donner. Por ejemplo, en el ejemplo, cuando uno abre una puerta y utiliza el picaporte para abrir la puerta, no estamos relacionando materialmente con el picaporte, pero al mismo tiempo que utilizamos el picaporte en nosotros esperamos que se comporte de una cierta manera para abrir la puerta, ¿ok? Por lo tanto, hay un elemento contrafactual que está relacionado a la experiencia de abrir el picaporte de una puerta. Ahora bien, este elemento contra... Attends, stop. Une seconde. C'est pas juste qu'on a des attentes de comportement, c'est que une poignée de porte, c'est pas seulement une poignée de porte, c'est aussi une... si vous voulez, la poignée de porte, elle comporte aussi le fait de devoir l'utiliser d'une certaine manière. Claro. C'est compris dans la matérialité. Oui. Qu'elle doit être utilisée d'une certaine manière. Ça, c'est la contrefactualité. Ok, donc il y a une expectative de que la llave d'une puerta fonctionne de certaine manière. Et ça, non, c'est une question purement factuelle. Et ça, c'est clair comme l'eau, ¿no es cierto?
evidente que hay una expectativa de que la puerta, el picaporte de la puerta funcione y permita abrir una puerta. Pero siguiendo el mismo orden de razonamiento, esa expectativa de comportamiento de una puerta no es una cuestión normativa, uno cae en el terreno de lo que propiamente se llama normativo. Lo que no implica de que, siguiendo el orden de razonamiento de lo contrafactual, se pueda llegar a lo normativo. Por lo tanto, la pregunta es si es que entre normatividad y contrafactualidad, pregunta para Marc Hunyadi, ¿existe acaso una relación de género a especie? Marc, ¿es que entre la contrafactualité y la normativité il y a une relation de genre à espèce? Genre à espèce, je dirais, disons, non, genre à espèce, je dirais pas, mais je dirais que ça donc c'est un continuum, hein, il y a une conception continuiste, et effectivement, je dirais c'est une relation d'inclusion, c'est-à-dire que la normativité est un mode de la contrefactualité, mais il y a d'autres modes de la contrefactualité, par exemple, l'imagination. N'est-ce pas? L'imagination est contrefactuelle. C'est une autre manière d'être contrefactuel. Oui, ça c'est clair comme l'eau. Okay. Très bien, très bien. Ça c'est contundant, vraiment. L'imagination, par exemple, est un élément, est une dimension contrefactuelle et non pour ça nécessairement normative. C'est ça. Es así, digamos. Un muy buen ejemplo, muy buen argumento. Bien, très bien, très bien, très bien. Je suis content. Hay una. María Loreto dice muchas gracias, Marc. Ok. Alors, Marc. María Loreto, elle a posé une deuxième question que moi-même j'avais écrit plus tard pour vous. Okay. Mais comme María Loreto l'a posé, donc je vais vous traduire cette question et je la vais mélanger avec ma propre question que j'avais préparée. L'un en question, que c'est la suivante, Marc. Oui. Primero en castellano y después lo voy a decir en francés, ¿ok? Si estamos hablando de una aproximación contextualista de la moral, eso implica asumir el punto de vista empírico de los actores morales, ¿correcto? Pero asumir los puntos de vista de los actores morales, ¿en qué medida eso no nos priva de un criterio de evaluación de las expectativas legítimas o no? Porque si nos quedamos atrapados simplemente en los puros puntos de vista empíricos de los actores morales, nos privamos de un criterio universal de evaluación de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Por ejemplo, un grupo, una comunidad cerrada en Colonia Dignidad en Chile, por ponerles un ejemplo a ustedes. A partir de la experiencia moral, del punto de vista empírico de los actores morales, la expectativa podría ser una expectativa que perfectamente es ilegítima. Una expectativa identitaria, excluyente, racista, por ejemplo, que no es aceptable para la vida en sociedad. Y por lo tanto, eso nos pone frente a un impasse de un punto de vista teórico. ¿Ok? Je vais le formuler maintenant en français, même je crois que Marc l'a bien saisi. C'est le suivant, c'est l'argument que Honneth développe à titre de surplus de validité. Ça veut dire, si on parle d'une approche contextualiste de la morale, dans ce cas, on veut parler à partir du point de vue empirique des acteurs moraux. Mais dans ce cas-là, on se trouve dans l'impasse de comment justifier un critère d'évaluation morale qui permet de juger la légitimité ou illégitimité des expectatives dans certaines communautés, vous voyez. Donc, ce problème de les critères d'évaluation, il me semble, il est un critère d'évaluation universel, bien sûr.
il me semble une question importante à l'égard de votre théorie, même peut-être une apparente objection. Je vous, on vous oui, oui. Bon. Okay. Oui, oui. Ok, parce que Cristobal a disparu. Là. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on oublie dans cette objection... Non, attends, je dis les choses différemment. L'implicite de cette objection, c'est que on ne peut critiquer véritable, qu'on ne peut établir on ne peut établir des critères d'évaluation que sur une base universaliste. Vous avez parlé de critères d'évaluation universels. Et ce que vous dites, c'est qu'avec mon modèle, puisqu'on part du point de vue des acteurs, on manque de critères de légitimation universelle. Mais toute ma démarche, donc, je connais bien cette objection, puisqu'en fait, ce que vous dites là, c'est aussi la thèse de Ronet, bien sûr, mais aussi de Habermas, avant lui. Ronet ne fait que recopier, en quelque sorte, à sa manière, le modèle de Habermas. Bon. Donc, je connais bien, évidemment, objection. Tout le modèle contextualiste que je défends, que j'appelle un contextualisme critique, est fait pour contrer cette objection et pour offrir une alternative à cet implicite selon lequel on ne pourrait juger des comportements que à partir d'un critère universel. Parce que ce que je dis, justement, c'est que les critères d'évaluation ils sont toujours immanents à une culture donnée. Ce sont des critères, au fond, qui valent majoritairement dans une culture. Et donc, si par exemple, dans notre culture, il y a des groupuscules racistes, etc., le groupe ne se sent, si vous voulez, le groupe se sent légitime de défendre ses opinions racistes, mais au nom de la moralité générale, si vous voulez, ou culturelle, ils sont condamnés. D'accord ? Si maintenant, donc, ce que je veux dire, c'est que les critères d'évaluation, ils sont là. On n'a pas besoin d'une morale forcément universaliste. Il y a toujours des critères d'évaluation dans un contexte. Ils sont toujours immanents à un contexte. D'accord ? Si maintenant une communauté, ce que Hegel appelle la Sittlichkeit, par exemple, chez Hegel, si la communauté, dans sa majorité, devient elle-même pervertie, en quelque sorte, raciste et tout ce qu'on veut, c'est arrivé. C'est arrivé en Allemagne dans les années 30. N'est-ce pas? Eh bien, je dis que même là, les acteurs anti-racistes, anti-hitlériens, anti-antisémites, etc., les acteurs, certes, ils n'étaient plus majoritaires, sont devenus minoritaires, mais eux, ils avaient toutes les ressources de contrefactualité de leur propre contexte. Les Allemands pouvaient se référer à Kant, pouvaient se référer à Goethe, pouvaient se référer même aux idéaux de la République de Weimar. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était pas l'évaluation morale. Le problème, c'était que
sociologiquement et politiquement, ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Là, c'est une question de domination. Là, c'est une question de rapport de force. N'est-ce pas ? Mais pour les critères de l'évaluation, ces critères contrefactuels d'évaluation, ils sont toujours à disposition. D'accord ? Donc, je ne vois pas très bien, en fait, pourquoi l'objection du groupe raciste, que c'est une objection que formule Honneth dans un de ses textes, pourquoi ici c'est une objection ? Je ne vois pas du tout. Le fait qu'il y ait un groupe raciste, par exemple, et que ce groupe raciste se sente, lui, légitimé à dire ce qu'il dit, à défendre ce qu'il dit, ne fait pas du tout, de ce point de vue, un point de vue légitime. Ça ne fait pas du tout un point de vue légitime. C'est-à-dire dire qu'il faut partir du point de vue du « je », du point de vue de la première personne, ça ne veut pas dire que le point de vue de la première personne fait droit. Ça ne veut pas dire que le point de vue de la première personne est légitime. La légitimité, c'est un concept éminemment contextuel. On ne peut pas décider de la légitimité tout seul. Ce n'est pas le « je » qui décide de la légitimité de quelque chose. C'est le « il », c'est le tiers de la loi morale ou de la loi civile, n'est-ce pas ? Donc nulle part j'ai dit, je ne dirai jamais, que le point de vue du « je » fait loi. Le point de vue du « je » n'est pas légitime parce que c'est le point de vue du « je ». Le point de vue du « je » est légitime s'il est conforme aux exigences normatives du contexte dans lequel ce « je » s'exprime. Donc le concept de légitimité est un concept contextuel et relationnel. D'accord ? Maintenant, l'autre partie de la thèse, et je pense que je vais répondre ici à une question, quelqu'un qui me demandait, je ne sais plus qui c'est, mais qui me demandait quel est le lien avec l'identité. L'autre volet de la question, c'est de dire que ces critères de légitimité, c'est ça le point méta-éthique fondamental pour moi aussi, anti-habermasien par exemple, ou anti-kantien, c'est de dire que, effectivement, quand on parle de légitimité, quand on parle de normes collectivement ou communément acceptées, je pense véritablement que le socle ultime, n'est-ce pas, la base ultime de cette légitimité, elle n'est pas rationnelle. Ce n'est pas des vérités objectives tirées de la raison, tirées de la communication, tirées de je ne sais où. Je pense que le socle ultime de la légitimité, c'est une, comme on le disait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, c'est une herméneutique collective de soi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une identité. Une identité. Identité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que nous sommes et ce que nous souhaitons être. Ça, je le dis dans l'article que Cristobal a traduit. Les deux choses, n'est-ce pas ? Mais en fait, on ne peut pas aller au-delà de ça. Je pense que c'est une illusion d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, contre des racistes, hein, ben, l'argument le plus haut, l'argument ultime dans ce sens qu'on peut donner, c'est de dire, mais écoutez, votre vision raciste que vous avez, ne correspond pas à la vision que j'ai, que nous avons de l'humanité. Voilà. Nous voulons une humanité tolérante et unifiée, nous ne voulons pas une humanité en guerre culturelle. Et je crois que vraiment, philosophiquement, on ne peut pas aller au-delà de cette identité à laquelle nous tenons. Et une identité comme ça, par exemple, une identité universaliste, on ne peut pas la prouver. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas de l'ordre de la vérité.
n'est-ce pas? Mais c'est de l'ordre de l'identité, c'est-à-dire de ce à quoi nous tenons vraiment comme image de l'humanité. Et que on, vraiment, on ne peut pas aller. C'est pour ça que je donne, c'est dans le texte que je donne l'exemple du karma. Je donne, dans, oui, hein. Voilà, donc c'est des, l'argument du karma des bouddhistes est un très bel argument. Voilà, c'est très inspirant, on comprend, etc. Mais ce n'est pas le nôtre. Donc, on ne peut pas argumenter au moyen d'un concept identitaire, entre guillemets, n'est-ce pas, comme le karma. C'est lié à une culture, c'est lié à une identité, c'est lié à une herméneutique de soi, c'est lié à une compréhension de soi qui n'est pas la nôtre. Bon, voilà. Et donc, c'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est ce qui définit notre identité. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est très important de voir qu'il y a des critères de légitimité. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment... Et ces critères de légitimité, ce n'est pas le jeu qui les définit. On ne définit pas des critères de légitimité chacun pour soi. D'accord? Donc il y a toujours cet élément de légitimité qui est contextuel, qui est relationnel. D'accord? Et à un étage supérieur, je dis, cette légitimité, au fond, elle est reliée, elle est indexée à une identité. Et c'est très important de voir, que cette identité, je dis que c'est philosophiquement ultime dans l'argumentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas argumenter plus loin, puisque ce n'est pas des questions de vérité, d'objectivité ou de je ne sais quoi, c'est vraiment l'identité. On ne peut pas aller plus loin. Mais le fait que ça soit ultime, c'est-à-dire c'est la prémisse ultime, en quelque sorte, dans le raisonnement moral, le fait que ça soit ultime ne veut pas dire que c'est définitif. Une identité, on peut changer, on peut en changer, on peut la transformer, on peut se comprendre différemment, et on en a un exemple extraordinaire sous nos yeux, au niveau mondial, avec ce qui se passe actuellement avec les femmes, depuis 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Ou vraiment, à cause des événements que vous savez, eh bien, il y a une espèce de nouvelle redéfinition de l'identité sexuelle ou de l'identité de genre et du rapport entre les hommes et les femmes. Ça, c'est quelque chose de très, très important du point de vue de l'identité. Donc, ça se modifie. Ça se modifie en permanence. N'est-ce pas? Donc, c'est ultime parce qu'on ne peut pas argumenter au-delà de ça. Mais ce n'est pas définitif parce que c'est une interprétation de soi, collective de soi, et que cette interprétation, elle peut en permanence changer. Merci, Marc. ¿Se entendió la respuesta? Pero, no, estamos en confianza, lo podemos, ya. Marc nos dice de que está el problema, digámoslo así, de que efectivamente, que si existe una aproximación contextualista de la moral, uno pretenda que el punto de vista empírico de los actores, el estar encerrado en un cierto punto de vista empírico, digámoslo así, los prive de un criterio de evaluación sobre la legitimidad o ilegitimidad de sus pretensiones. Este problema de la evaluación, de la validez de sus pretensiones, y que se opte por un criterio universal de evaluación de la validez de esas pretensiones de los actores, es ya una postura que había sido asumida por Habermas y luego por Honneth en su filosofía. Esto Marc Hunyadi lo contesta. Y lo contesta porque, en definitiva, es un falso argumento. Siempre los criterios de evaluación universal, siempre lo que llama Honneth el surplus de validité para evaluar, el surplus de validez para evaluar una determinada situación, una determinada expectativa moral en sociedad o en un contexto, ese criterio de evaluación pretendidamente universal y abstracto remite, en definitiva, inevitablemente, a un cierto contexto. Es decir, dicho de otra manera, siempre se está evaluando a partir de un cierto contexto.
Y en último término, estos criterios de evaluación remiten nada más ni nada menos que a una forma de vida. Y esta forma de vida la identifica Mark Hunyadi como una hermenéutica, una interpretación de lo que somos. Esto es... Et que nous voulons être. Y de lo que pretendemos ser. Digamos, lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Y que esto está a la base, y esta interpretación, en sentido, digamos, yendo a la matriz, al principio último, es lo que está a la base de cualquier criterio de evaluación pretendidamente universal. Con lo cual, Mark Hunyadi dirige una crítica frontal a los discursos de evaluación pretendidamente universalista. Para evaluar las conductas morales, o las normas morales, o etc. ¿Ok? Hasta ahí estamos, claro. Ahora yo le voy a hacer una contrapregunta, María... se me olvidó, María Loreto. María Loreto, que es la siguiente. Sí, adelante, Marc. ¿Puedo ajustar algo? Par rapport a esta noción de surplus de validité. Moi, ce que je dis, c'est toute la théorie contextuelle, c'est l'essentiel de la théorie contextuelle, c'est que le surplus de validité, il est toujours dans le contexte. Il est aussi contextuel. Il y a un surplus de validité dans le contexte. C'est ça l'idée que je défends dans L'homme en contexte, d'une contrefactualité contextuelle. D'accord ? Donc, ce surplus de validité, il est toujours présent dans le contexte. Ça, c'est une chose que j'aimerais ajouter. L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que l'universalisme, c'est aussi une identité. C'est aussi une identité. Le premier article, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme, il dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. » D'accord ? Ce que, dans mon interprétation, ça veut dire que dorénavant, nous concevrons, nous comprendrons chaque être humain comme étant libre et égaux en droit. Par conséquent, c'est l'expression d'une identité universaliste. C'est l'identité humaine telle que nous la comprenons ou telle que nous voulons la comprendre. Donc l'universalisme, c'est aussi une identité. Ça, c'est très important à comprendre. L'universalisme, ce n'est pas forcément des principes abstraits. On peut traduire l'universalisme dans des principes abstraits, mais l'universalisme est d'abord l'expression d'une identité, c'est-à-dire d'une compréhension de soi. Se entendió, ¿cierto? Ese complemento se entendió, Beatriz. En definitiva, el pretendido universalismo, por ejemplo, todos los hombres nacen libres, iguales en dignidad y en derecho. Artículo primero de nuestra Constitución, pero también el artículo primero de la Declaración de Hombre y el Ciudadano, no es menos una comprensión del ser humano. No solamente una comprensión de hecho, sino que al mismo tiempo una comprensión axiológica. ¿Ya? O sea, el pretendido universalismo ya encierra una comprensión que remite a un contexto. ¿Ok? Ahora, Marc, voy a hacer una. Je vais faire un contre-argument, ¿ok? Ok. A votre argument. Bon, Mark Hunyadi. Si on parle ainsi, les conséquences sont bien dramatiques, ¿ok? Parce que finalement, si on va jusqu'à bout, ça veut dire qu'il y a une certaine dimension arbitraire de la morale. Ça veut dire un certain relativisme, inévitablement. Donc, de là, ça découle deux questions pour vous.
qu'est-ce que se fait la différence entre votre pensée et le communautarisme? Non. D'abord ça, inévitablement, vous voyez. Et ensuite, les problèmes de conflit. Ça veut dire, s'il y a une culture avec une certaine compréhension de soi, à partir de quelle une morale est bâtie, qu'est-ce qui permet de trouver un point commun avec une autre culture, avec une autre communauté? Parce que je vais faire une opposition entre votre pensée et de la pensée du philosophe chilien Ricardo Salas. Le philosophe chilien Ricardo Salas, et je suis malin, je suis désolé, je suis malin. Très malin, oui, je sais. Le philosophe chilien, qu'est-ce qu'il dit Ricardo? Ricardo dit, pour résoudre cette sorte d'impasse, il faut ajouter à cette pensée la herméneutique contextuelle que vous proposez, il faut forcément introduire un élément interculturel. Vous voyez? Donc, l'interculturalité aurait une dimension morale et pas seulement épistémologique qui est déterminante pour résoudre les problèmes des conflits entre cultures. Donc, maintenant, je vous pose la question. D'abord, comme je vous avais signalé auparavant, qu'est-ce qui fait la différence entre votre pensée et l'objection de relativisme qui est faite à l'égard du communautarisme? 1. 2. Comment résoudre les problèmes de l'hypothèse de conflit dans différentes cultures avec différentes herméneutiques de soi? Voy a traducir la pregunta al castellano para que la comprendan bien. Si seguimos este orden de razonamiento, en último término, la postura de la hermenéutica de sí, de Marc Hunyadi, remitiría a un fundamento arbitrario de la moral. Es decir, la moral no tendría un elemento de verdad, no carecería la moral de verosimilitud, sino que solamente sería susceptible de argumentar la validez o la invalidez de la moral a partir de una cierta comprensión de un pueblo, una cierta comprensión de sí un pueblo, que en último término sería relativo a ese pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, se opone la objeción del relativismo, que es una objeción que se le ha hecho al comunitarismo, y enseguida la segunda objeción, si es que la moral está construida a partir de un cierto contexto, en una comprensión de sí, de un cierto pueblo, una cierta comunidad, ¿qué ocurre en las situaciones de conflicto con otra comprensión de sí, de otro pueblo, de otra cultura? ¿Cómo resolver esas situaciones de conflicto donde no hay una norma universal? Marc Hunyadi, a votre disposition, on vous écoute. Merci. J'ai beaucoup réfléchi sur la question du relativisme et au fond, la réponse est assez simple. On ne peut pas être relativiste en première personne. Voilà. C'est impossible. Si on adopte le point de vue de la première personne, eh bien, il est méthodologiquement exclu d'être relativiste, tout simplement parce que nous devons toujours agir, nous devons faire quelque chose, nous sommes toujours dans une relation fiduciaire, comme je le disais, avec le monde, avec le contexte qui nous entoure. Le relativisme est donc une posture impossible pour les acteurs. Par conséquent, le relativisme est une position purement théorique. De la troisième personne, qui observe des cultures, et puis qui dit, au fond, voilà, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre, ou en tout cas, voilà, on ne peut pas décider, c'est indécidable, n'est-ce pas, de choisir entre une culture et une autre. Mais ça, c'est une posture purement théorique, dans le mauvais sens du terme, dans le mauvais sens du terme, n'est-ce pas? C'est-à-dire où on prend la posture théorique et les observations du théoricien pour une réalité en soi. C'est absurde. À mon avis, c'est absurde. Donc, j'écarte complètement la position relativiste. Je trouve que c'est vraiment une construction intellectuelle
qui justement ignore en fait la position de l'acteur, ignore la position de la première personne. Et c'est un des défauts de toutes les théories morales, si on veut, de ne pas renoncer à cette adoption méthodologique du point de vue de la première personne. Si on adopte méthodologiquement le point de vue de la première personne, alors on voit que le relativisme n'est qu'une, n'est qu'une abstraction théorique qui n'a aucune conséquence en fait dans la réalité des choses. Parce que personne n'est relativiste. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a une dimension arbitraire, par conséquent, de la morale. Ce n'est pas arbitraire. Non, je ne pense pas que c'est arbitraire. Pour chaque acteur, individuel ou collectif, ce n'est pas du tout arbitraire. Au contraire, ce sont, au fond, des sédimentations culturelles, des interprétations et des réinterprétations culturelles, mais le fait qu'elle soit qu'elle soit le produit des acteurs ne veut pas dire que c'est arbitraire. Non, c'est pas arbitraire. On a des bonnes raisons, toi, Cristobal, moi, etc. On a des bonnes raisons de penser que notre herméneutique de nous-mêmes est bonne. On a des bonnes raisons. Ce n'est pas du tout arbitraire. Si je te dis maintenant qu'on va rétablir l'esclavage, qu'au fond, ce serait très bien de rétablir l'esclavage, hein, parce qu'on pourrait avoir 5% de la population esclave et puis 95%, 95% de la population dont le bien-être serait augmenté grâce à l'esclavage, ben, tu me dirais que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça, même si c'est vrai. Même si l'esclavage était efficace d'un point de vue économique ou social, on ne le ferait pas. Ce n'est pas du tout arbitraire. Donc, il faut faire attention avec le terme d'arbitraire. Ce n'est pas arbitraire. Ce sont des constructions sociales, mais je n'aime pas trop le terme construction sociale aussi, parce qu'on a l'impression qu'on construit, qu'on défait. C'est des élaborations sociales. Une identité est une élaboration sociale. Et on ne peut pas changer d'identité morale comme de chemise. Ça ne va pas. Donc, ce n'est pas arbitraire. Mais ce n'est pas objectif non plus, évidemment. Ce n'est pas absolu, mais ce n'est pas arbitraire. D'accord ? Comme disent les linguistes, c'est motivé. On a des raisons pour penser que... On a des raisons pour être ce qu'on est, si on veut. Voilà. On a des raisons pour être ce qu'on est. Ce n'est pas arbitraire. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ou que c'est objectif ou que c'est absolu. Alors, en ce qui concerne le communautarisme, je refuse tout à fait l'assimilation au communautarisme, parce que le communautarisme, tel que moi je le connais, que ça soit chez Charles Taylor, mais peut-être Charles Taylor, c'est peut-être pas, peut-être il est plus proche de moi, ou je suis plus proche de Charles Taylor, mais Michael Walzer, ou bien Michael Sandel, je refuse tout à fait cette assimilation, ou McIntyre encore plus, précisément parce que les communautariens commettent cette erreur de prendre l'identité uniquement dans sa dimension factuelle. C'est-à-dire, j'affirme ce que je suis ce que je suis un chrétien blanc, etc. Et puis voilà, c'est mon identité. C'est pourquoi j'insiste énormément dans mes textes sur le fait que l'identité, elle est factuelle, évidemment, parce que on est ce qu'on est, on est le produit d'une tradition, etc. Mais c'est contrefactuel aussi. Et ça, c'est très, très important. C'est parce que l'identité est contrefactuelle que l'identité n'est pas figée, n'est pas fixée, n'est pas arrêtée. Les communautariens commettent donc, à mon avis, cette erreur de faire de l'identité, en fait, une affirmation identitaire. N'est-ce pas ? Moi, je suis ça, toi, tu es cela, et puis voilà, nous sommes là. Voilà. Et donc, il oublie fondamentalement, dans toute leur réflexion sur l'identité, sur qui on est,
n'est-ce pas? Ils oublient toujours cette dimension contrefactuelle. Ça, ça me semble absolument essentiel. Et je pense véritablement que tant au niveau individuel que collectif, nous sommes des êtres, nous autres êtres humains, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres pour qui la contrefactualité est essentielle. C'est-à-dire ce que j'ai envie d'être ou l'image à laquelle je m'identifie, mais que je ne suis pas forcément, est au moins aussi importante, si ce n'est plus, dans la constitution de l'identité. D'accord? Alors, en ce qui concerne le problème du conflit, c'est la même chose. Je répondrai de la même manière. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, mais mon premier livre, c'était justement sur le conflit. Ça s'appelait « La vertu du conflit ». Donc, c'est un thème qui m'est cher. Mais là aussi, quand je parle... parce que tu dis, Cristobal, qu'au fond, si on considère que au fond, l'identité, c'est une herméneutique de soi, alors il n'y a que le conflit qui est possible. Ce n'est pas vrai. L'herméneutique de soi, ça veut pas, encore une fois, ce n'est pas une affirmation de soi. Ce n'est pas une affirmation de soi, pure, n'est-ce pas? Ce n'est pas purement positif, ce n'est pas purement factuel. C'est une herméneutique de soi. Donc, on peut se comprendre comme un être ouvert, comme un être disposé à la résolution des conflits, etc. Par exemple, dans l'identité moderne occidentale, en gros, à partir de la Révolution américaine et de la Révolution française, eh bien, on a considéré que, au fond, une bonne résolution de conflits était une résolution symbolique des conflits. Par symbolique, je veux dire qu'on n'allait pas, avec des armes, résoudre les conflits, mais qu'on les résout dans un parlement, par exemple, pour les conflits politiques, ou dans des négociations, etc. C'est ça que j'appelle résolution symbolique des conflits, c'est-à-dire pas par les armes, pas par la force, pas par la violence. Ça, ça fait partie de l'identité moderne, disons démocratique, si on veut. N'est-ce pas? Donc, ça fait partie de l'identité, la résolution, la disposition à résoudre des conflits. Oui. Et donc, je pense qu'on peut... On peut jamais présumer, si vous voulez, chez l'autre, que parce qu'il a une autre identité, il n'est pas disposé à résoudre un conflit. Ce n'est pas vrai. Ça arrive naturellement. Les terroristes ne sont pas prêts à résoudre des conflits symboliquement. Eh bien, il faut lutter contre les terroristes. Là, il n'y a pas d'autre réponse. Donc, pour répondre à une question qui a été dite tout en introduction, je pense qu'il y a une violence politique légitime. N'est-ce pas? Mais évidemment, une fois que toutes les voies de résolution symbolique des conflits ont été épuisées, ou bien si on prouve que, ou si on montre que, aucune résolution symbolique des conflits n'est envisageable. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui prend les armes, quelqu'un qui veut faire violence, lui-même s'est en quelque sorte extrait de la communauté morale pour qui la résolution symbolique des conflits est importante. Donc, en fait, celui qui choisit la violence pure n'est plus un sujet moral. Il devient pour nous un objet moral. C'est-à-dire qu'on doit l'éliminer, tout simplement. Bon. Donc, tu vois ce que... Voilà comment je répondrais. C'est-à-dire que quand tu dis qu'au fond, l'herméneutique de soi conduit au conflit, c'est parce que tu as une vision trop figée, trop fixe, de l'herméneutique de soi, et tu oublies aussi que l'herméneutique de soi comprend la disposition, au fond, à ou non, n'est-ce pas? Ça dépend du soi, mais comprend la disposition à résoudre des conflits. Donc, ça peut faire partie de l'identité, comme, encore une fois, dans l'identité universaliste moderne, ça peut faire partie de l'identité que de vouloir résoudre symboliquement les conflits. Et c'est ce qu'on fait, hein. Par exemple, en politique, maintenant, on voit bien quand même, avant de faire la guerre, avant, etc., on essaye, même avec des pays, si on veut, très, très réfractaires, hein, à la démocratie, etc., on essaye quand même toutes les voies avant d'amener les armes, parce que les armes ne sont sûrement pas une solution, n'est-ce pas? Mais donc, voilà. Donc, je refuse le relativisme, je refuse le communautarisme, et je refuse aussi cette... conflictualité permanente
à cause de tout ce que je viens de dire sur l'herméneutique de soi qui n'est pas une affirmation de soi. Merci Marc. J'étais un peu dans la provocation, je le connais, mais c'est pour... Très bien, pour condimenter la discussion. Bueno, voy a hacer un breve exégesis. Micro. Está sin audio. Le decía a Marc que estaba un poco en la provocación, pero era para condimentar la discusión. Y se entendió la respuesta, ¿no es cierto? Marc Hunyadi se opone con firmeza al argumento del relativismo en contra de su pensamiento, en contra del argumento del comunitarismo frente a su pensamiento, y también a la idea de que la conflictualidad entre grupos distintos con distinta hermenéutica de sí sea una fatalidad. Si bien una posibilidad, eso lo reconoció, pero se niega a que sea una fatalidad. Y para eso él da varios argumentos. Primero, de que no existe ningún punto de vista de un actor moral que sea relativo, porque los actores morales adhieren a normas públicas, no a normas privadas. Malamente podríamos hablar de una conducta moral o de una expectativa moral de un actor que fuera meramente privada o solamente su punto de vista. Es inconcebible un actor moral relativista, dicho de otra manera y en palabras simples. Porque siempre la moral en contexto supone un contexto que trasciende el puro punto de vista del actor. Eso es lo primero. ¿Ya? Segundo, que el problema del comunitarismo son dos, señala Marc Hunyadi. Primero, que el comunitarismo siempre establece la equivalencia de las morales, independiente de lo que prescriban, incluso si prescriben las barbaridades más grandes, simplemente porque se pone un punto de vista de una tercera persona, de un punto de vista del ojo del águila, dejámoslo así, que ve todo desde el cielo, y establece la equivalencia entre distintos grupos, entre los cuales no se podría establecer una preferencia moral de unos sobre otros. ¿Se entiende el argumento, cierto? En circunstancias que él siempre está asumiendo un punto de vista de los actores morales, y no de un punto de vista de una tercera persona que juzgaría en equivalencia o para analogía. ¿Estamos? Segunda cuestión, que el comunitarismo siempre argumenta el problema de la identidad como algo que es, como si algo estuviera fijo, lo cual implica adoptar el punto de vista de una identidad identitaria, en circunstancias que la identidad no es solamente algo que es, sino que comporta un elemento fundamental, señala Marc Hunyadi, que es algo que debe ser. O sea, comporta también una apertura a la expectativa de lo que queremos llegar a ser. Y por lo tanto la identidad no es una cuestión fija. Y eso lo separa a él del comunitarismo. Y sobre la conflictualidad, siempre, señala él, está la posibilidad de entablar un encuentro con el otro, un diálogo, el parlamento, el intercambio de razones para facilitar la posibilidad del entendimiento, de la comprensión del otro. De tal manera de que el conflicto, si bien es una posibilidad, no es una fatalidad. Del punto de vista de la aproximación contextual. Es importante esto, el contextualismo, una aproximación de la moral en contexto, no implica comprender el contexto como un todo cerrado. El contexto no es un todo cerrado, necesariamente. Comprende una dimensión de apertura, señala Marc Hunyadi, y esa dimensión de apertura es esta expectativa de lo que esperamos de nosotros, de aquellos que no somos, pero pretendemos llegar a ser. ¿Se entendió, cierto? Bien. María Beatriz, Ricardo, les doy la palabra porque ustedes no han intervenido. ¿Puedo hablar en español? ¿Queda tiempo? Muy bien. Bueno, primero, muchas, muchas gracias. Me ha gustado mucho el texto y me hizo mucho sentido. Quiero decir tres cosas, dos pequeñitas y una mayor. La primera es que en ese conflicto que planteaban de si la normatividad estaba en la contrafactualidad y entendí que en la respuesta era que estaba un poco, era parte de,
pero a mí me parece que también está en la factualidad, porque en lo que es, también uno incorpora toda la norma que lleva consigo sobre las situaciones, digamos, toda la idea que tiene sobre algo en la realidad. Es una primera cosa. Lo otro que me parece que aquí se pone súper presente el tema de la reciprocidad a la base, como una estrategia para transitar y enfrentar las distintas identidades. Y la pregunta es en relación a la revuelta social, tratando de aplicar, así como él aplica con el sillón, aplicar un poco esto de la factualidad y la contrafactualidad en relación a que la revuelta que hubo en Chile, que tenía muchas cuotas de desmane y vandalismo y violencia institucional y violación a los derechos humanos para reprimir a la ciudadanía, también hicieron demandas y con eso se consiguió un bien superior que consistió en la creación de una nueva constitución ciudadana redactada por actores elegidos democráticamente por la ciudadanía. Sin embargo, todavía quedan personas presas por esas manifestaciones, que se ha solicitado amnistía, pero la contraparte del derecho y el oficialismo, digamos, alega que eso sería legitimar la violencia. Y a mí me parece que si intento aplicar el enfoque bifacial que usted propone, la facticidad sería la indignación ciudadana que se levantó con la revuelta en ese momento, que conllevó la ira y la violencia, mientras que la contrafactualidad la constituiría el deseo de otro orden social, más participativo y representativo, que le hablara a las personas, a los chilenos de hoy día, que no son los de la constitución anterior, digamos. Y al mirar esas perspectivas, pareciera, entiendo, posible legitimar dicha violencia, porque responde a la experiencia moral de esos actores en ese momento. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto y si se condice este razonamiento con este enfoque contextualista. Merci, mais là j'ai besoin d'une traduction, là j'ai pas bien compris. Ok, pas de problème. C'est plutôt, je vais essayer d'être synthétique, ok? Il y a deux questions, hein? Oui, mais on va partir par, je vais aller d'abord dans la dernière intervention. C'est la suivante. Maria Beatriz, elle parle à partir de l'expérience chilienne, ok? À partir de l'expérience chilienne, à précisément de l'expérience de la révolte sociale et récente qui a fait possible une aperture, l'inauguration d'un processus constituant, hein, avec l'Assemblée constituante dont vous avez écouté, élu. Donc, elle croit que votre thèse, elle peut servir pour pratiquer une exégèse de notre expérience historique, du fait qu'il y a une dimension factuelle, que c'est l'expérience de l'indignation, l'expérience de la violence même, et Maria Beatriz, l'expérience de l'indignation, l'expérience de la violence, l'expérience de la insatisfaction, mais à la même fois, cette dimension contrefactuelle, dit Maria Beatriz, elle a une s'exprime comme désir, pas une attente purement rationnelle, mais comme un sentiment, comme un désir d'une autre chose que doit prendre corps dans sa nouvelle constitution qui exprime les expectatives d'une nouvelle société, d'une nouvelle génération, que c'est pas la ancienne. Donc, est-ce que une approximation au moment constituant de cette sorte, c'est parlant pour vous à partir de votre thèse contextualiste ou non? Absolument, totalement, tout à fait. Donc, je ne vais pas parler spécifiquement de l'expérience chilienne, parce que je la connais pas assez dans le détail, mais ce qu'a dit Maria Beatriz me semble tout à fait juste, avec une
une précision, si on veut, conceptuelle. C'est que, en ce qui concerne le concept de contrefactualité, justement, qui est très important dans cette situation, pour moi, la contrefactualité, c'est ce au nom de quoi on s'indigne, on se révolte, on est insatisfait, n'est-ce pas? Donc, la factualité de l'indignation, ou de la violence, ou de la révolte, ou etc., elle prend sens, n'est-ce pas, sur l'horizon de contrefactualité. Ce que disait Maria Béatrice, c'est-à-dire l'attente d'une nouvelle société. L'indignation est l'expression de cette visée de contrefactualité, n'est-ce pas? Puisque l'indignation se fait au nom de un horizon différent, une société différente. Voilà. Qui peut être matérialisé par une nouvelle constitution, par des nouveaux hommes et femmes politiques, etc. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que cette visée de contrefactualité, elle peut très bien s'exprimer dans un désir, dans une volonté, dans une indignation, dans une etc. N'est-ce pas ? C'est pas forcément rationnel, naturellement. Naturellement. Le désir est lui-même, puisqu'il est désir de quelque chose qui n'est pas, n'est-ce pas, le désir est une force de contrefactualité dans notre corps, dans notre vie, n'est-ce pas? Nous désirons quelque chose que nous n'avons pas, c'est pour ça que nous le désirons d'une certaine manière. Donc, le désir est une force de contrefactualité dans l'agir humain, tout à fait. Donc je suis absolument d'accord. Donc cette situation de transition que vous vivez en ce moment d'un régime à un autre, avec toutes les incertitudes et tout ce que ça comporte, mais ce passage, cette émergence de quelque chose de nouveau, hein, à travers une nouvelle constitution, un nouveau personnel politique, etc., ben c'est, pour moi, ça illustre parfaitement la force réelle de la contrefactualité, la force agissante de la contrefactualité. Vous voyez, ça confirme exactement mes thèses d'une certaine manière, n'est-ce pas? Le peuple chilien n'agit pas forcément au nom de normes universelles ou je sais pas, c'est pas le but, n'est-ce pas? Le but, c'est de changer de société, d'avoir une autre société. Et ça agit. Et en fait, ce qui est vrai pour le peuple chilien, pour la situation chilienne, à mon avis, est aussi vrai pour chaque individu dans son existence, n'est-ce pas? Nous sommes mus par nous sommes des animaux de contrefactualité, je pourrais dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous ne sommes pas programmés comme des fourmis à faire ce que nous devons faire, mais nous sommes habités par la contrefactualité. C'est exactement ce que montre l'exemple chilien. Maria Adri, yo creo que él formuló una frase muy simple y precisa su pregunta. El potencial de revuelta de octubre de 2019 es la expresión del potencial de la contrafactualidad. Porque ese sentimiento de injusticia, sentimiento de indignación, es esencialmente contrafactualidad. Se explica como algo que no es, algo que está ausente y que debería ser, y que moviliza a ese extremo a un grupo social, con esa determinación. Claro, porque ahí es donde él plantea que se generan nuevos criterios de legitimidad. Sí, tout à fait. Si une nouvelle société s'installe, ben c'est des nouveaux critères de légitimité, des nouvelles manières de faire de la politique, une nouvelle manière d'exister dans la vie sociale. C'est pour ça que je disais que les critères de légitimité, ils étaient toujours immanents à une société.
ils sont toujours immanents. Et donc maintenant, c'est des nouveaux critères qui sortent. Et très vite, moi j'ai l'espoir de ça, très vite, l'ancien régime paraîtra très très loin, très vieux. Très vite, parce que ces critères de légitimité qui au fond aussi façonnent et constituent une nouvelle identité, hein, quand on a vraiment acquis une nouvelle identité, l'ancienne identité semble très vite obsolète, quoi, semble très vite éloignée dans le temps. On se dit, mais comment est-ce qu'on a pu vivre comme ça? ¿Se entiende? O sea, el fondo también remite con esa respuesta, Marc. Tiene razón usted, o sea, eso implica nuevos criterios de legitimidad. Y desde que se instalen esos nuevos criterios de legitimidad, por ejemplo, igualdad y no libertad económica, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo simplemente. Automáticamente eso implica, si bien Marc no lo dijo, una nueva hermenéutica de sí, como sociedad. Y esa otra hermenéutica de sí queda desplazada en el tiempo. Y de repente parece algo de otro mundo. Y lo mismo podría pasar con el concepto de violencia en la revuelta, como una reconceptualización de justicia o de búsqueda de justicia, ¿no? No puedo responder por Mac Hunyadi, estimada María Beatriz. Donc la question, c'est sur la violence légitime, c'est ça? Oui, c'est, o sea, si, le lien entre contrefactualité, révolte, motivation, disons, désir, expectative et violence. Bon, c'est difficile de parler comme ça. J'ai déjà répondu à la question de la violence. Hein. J'ai dit que vraiment, il y a une violence légitime. À mon avis, il y a une violence légitime dès lors que les autres voies ont été épuisées. Bon, maintenant, il faut aussi voir de quelle violence est-ce qu'on parle. De quelle violence est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est une violence qui tue des humains ou c'est une violence qui détruit des biens matériels, symboliques, etc. Je ne sais pas, donc c'est très difficile de parler comme ça. Abstraitement en tout cas, si vous voulez, personnellement, en tant que citoyen blanc occidental élevé dans une culture démocratique, ben, évidemment, je ne vais pas faire l'apologie de la violence. Néanmoins, je pense que il y a des situations où la violence est nécessaire, et je dirais même il y a des situations où la violence est légitime. Mais attends, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut voir, il faut connaître la situation, il faut voir la situation concrètement. On ne peut pas parler comme ça abstraitement. Mais donc, je n'exclus pas du tout la violence, mais je ne ferai pas l'apologie de la violence. La violence n'est pas une solution, mais elle peut être un moyen. María Beatriz, ¿se alcanzó a entender? ¿No? Marc reconoce un nexo que puede haber entre esas expectativas contrafactuales que movilizan a una revuelta y a la violencia. Pero eso no implica en ningún caso hacer una apología a la violencia porque habría que analizar de qué violencia estamos hablando, contra qué se ejerce, qué comporta, si es legítima o no. Pero en el límite, si viene a conocer los datos en concreto, en abstracto, y sin comprometerlo, habría un espacio eventualmente para una violencia legítima. E incluso ser utilizada como medio en caso excepcionales. Pero hasta ahí solamente, porque obviamente faltan más antecedentes. Yo quiero darle la palabra a Ricardo, porque como el sabio que es, ha escuchado en silencio, atentamente, pero él obviamente tiene preparado algo. Muchas gracias por mi parte. Pas du tout, mon ami. Hein? Et je voudrais rien que profiter de la sagesse de Marc et rattacher ma question à tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, que c'est la question
des rapports entre la morale et la politique. Ça veut dire, d'une part, si on prend l'approche de la première personne comme quelque chose qui est le plus fondamental de la vie morale, on pourrait dire peut-être la même chose. Hein? C'est une question, Marc. On pourrait dire la même chose de la vie politique en tant que nous sommes, je ne dirais pas obligés, mais nous devons chercher un moyen de vivre la citoyenneté. Ça veut dire devenir un citoyen qui participe de toute la vie sociale. Alors, je comprends très bien le rapport entre la factualité et la contrefactualité, mais qu'est-ce qui arrive-t-il à la politique d'un point de vue de ce rapport entre factualité et contrefactualité, notamment sur la question du pouvoir et de la domination. Et je pense que c'est parfois beaucoup plus facile de parler de l'expérience morale parce qu'on est inséré dans la vie d'un sujet sans toucher le pouvoir qui existe à notre côté. Mais quand il s'agit de penser notre action qui dérange le pouvoir, alors la question se devient très complexe. Hein? Comment un étudiant pourrait dire à son professeur que c'est vraiment un penseur occidental, fasciste, raciste, ou bien la critique qu'on pourrait faire à notre doyen, notre recteur, et les autorités de mon pays. Hein? Et alors, ma question, d'un point de vue spécifique, de ton point de vue, qu'est-ce qui ajoute l'expérience politique à l'expérience morale? Et qu'est-ce qui arrive à la factualité et la contrefactualité d'un point de vue politique? Je ne sais pas si je m'exprime bien, Marc. Tu t'exprimes parfaitement, Ricardo, et je te remercie pour cette question très pertinente et très profonde. Bon, ça nécessiterait évidemment des grands développements, mais en fait, pour répondre à la toute première partie de ta question, quand tu dis, bon, pour l'expérience morale, le point de vue de la première personne est essentiel, est-ce qu'il en va de même pour la politique? Tu dis, au fond, ça pourrait être la même chose pour la politique. Je ne crois pas, en réalité. Je ne crois pas. Et c'est une différence entre la morale et la politique. Parce qu'en morale, effectivement, on doit partir du point de vue, pour des raisons que j'ai expliquées, etc., etc., on doit partir du point de vue de l'expérience morale de l'acteur. Mais pour la politique, le point de vue est différent. Pour la politique, le point de vue n'est pas celui du « je », mais celui du « nous ». Le point de vue est un autre point de vue méthodologique, n'est-ce pas? On ne peut pas faire de la politique en partant du « je ». Il faut partir du « nous » ou éventuellement partir de la communauté elle-même ou de la communauté politique elle-même, c'est-à-dire de l'État, n'est-ce pas? Adopter le point de vue de l'État, mais c'est évidemment méthodologiquement tout autre chose que de partir du point de vue du « je ». Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Et à mon avis, c'est effectivement une bonne distinction entre la morale et la politique. Enfin, c'est une distinction épistémologique, si tu veux, entre la morale et la politique. Donc, personnellement, je ne dirais pas que la politique doit partir de l'expérience du « je » ou du « moi » ou de la première personne. Maintenant, la question vraiment difficile, c'est la question que tu poses et à laquelle, au fond, je n'ai qu'une réponse de principe. C'est la question des rapports de domination. Il est évident que dans l'expérience morale de l'acteur, il y a toute la dimension du jugement, de l'évaluation,
peut-être de l'indignation, du sentiment d'insatisfaction, du sentiment de révolte. Tout ça fait partie de l'expérience de l'acteur. D'accord ? Comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse à Maria Béatrice, cette expérience, elle est nourrie, alimentée par la contrefactualité, par la visée de contrefactualité. Maintenant, là où le problème devient difficile, c'est qu'évidemment, cette visée de contrefactualité, ce sentiment de révolte, d'indignation, ce qu'on veut, toute la gamme des expériences morales, ben, se heurte à des rapports de domination. Bon. Mais alors là, évidemment, c'est une toute autre question. Là, c'est plus une question, là, c'est plus la question morale du jugement et de la visée de contrefactualité. Là, c'est une question stratégique. Ça devient une question stratégique. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la domination ? Donc, c'est deux moments différents. Il y a le premier moment de jugement et d'évaluation de la domination, dénoncer la domination et aussi souffrir de la domination. Ça, c'est un moment. Mais après, il y a le deuxième moment qui est celui de l'action. Ce n'est plus la même chose. Hein. L'action qui requiert, au fond, une stratégie d'abolition, si on veut, des rapports de domination. Donc, je n'ignore pas du tout les rapports de pouvoir, je n'ignore pas du tout les rapports de domination. Évidemment, simplement, je dis, ça relève de questions stratégiques, de la rationalité stratégique, si on veut. C'est donc une autre question. Donc, c'est quand même très important toujours de faire cette distinction entre le jugement et l'action. Hein ? Le jugement qui est orienté par la contrefactualité et l'action composer avec la réalité et sur un plan plus stratégique. Oui, mais de ce point de vue, Marc, la politique devient beaucoup plus importante que la morale. Parce que, d'un point de vue politique, on doit vraiment viser les possibilités réelles de changer les choses. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est dans une, encore une fois, c'est dans une perspective stratégique orientée par la contrefactualité de ce qu'on veut, comme autre société, par exemple, une société égalitaire plutôt que libérale économique. Et je pense aussi que la stratégie elle-même, elle est indissociable d'une certaine forme de contrefactualité stratégique, c'est-à-dire qu'il faut, il faut connaître l'objectif, il faut, etc. Donc, du point de vue de la structure de l'action, hein, même dans la stratégie, la contrefactualité joue un rôle, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même contrefactualité. Si vous voulez, si on veut lutter contre le pouvoir, contre le gouvernement, la question, ce n'est pas d'instaurer l'égalité. La question, c'est comment faire pour éliminer ce gouvernement. Bon, c'est un autre type de question, mais qui est aussi traversée par de la contrefactualité, naturellement. Mais je suis d'accord avec toi, de ce point de vue-là, dans des situations comme ça particulièrement aiguës, évidemment que la politique est plus importante que la morale, au fond. C'est vrai, mais ça dépend quand même de la situation, justement, n'est-ce pas? Et évidemment, et je réponds avec ça la question que tu nous posais quand on a commencé notre séance. Justement, les enjeux de la société chilienne, c'est que nous ne voulons plus continuer avec un modèle capitaliste néolibéral qui aujourd'hui est tout à fait globalisé dans tout le monde. Alors, comment les Chiliens pourront arriver à faire une société non capitaliste et non néolibéralisée si la majorité des pays du monde et toute l'économie globale est justement dirigée par ce type de processus? Alors, c'est vraiment un truc assez difficile, quoi. Oui, bien sûr. Donc, je ne peux évidemment pas répondre à cette question, mais disons, le capitalisme libéral a quand même beaucoup aussi de facettes, hein, de possibilités. Je veux dire, quand même,
une version social-démocrate. Enfin, j'entends, il y a quand même, c'est pas le capitalisme libéral, c'est pas une chose. Ça se décline aussi de plusieurs manières, hein, des manières très inégalitaires, plus égalitaires, des manières même plus sociales, carrément, etc. Donc, je pense qu'il y a une gamme de possibilités. Quand même. Mais voilà. Oui. Donc, j'ai pas de réponse. Comment faire du Chili un îlot dans le monde capitaliste, j'ai pas la réponse à ça. Non. Ouais, moi non plus. Hein. Alors, on a des attentes d'une nouvelle société, Marc. Alors, un grand merci. Hein. C'est vraiment incroyable, tous tes propos, tes distinctions. On a vraiment appris beaucoup. Merci. C'est gentil. Marc? Oui, je regardais juste, il y a une question là, de Christian Tejeda, qui a dû partir, mais qui a laissé la question. Oui. Sur la confiance, et il disait que, je vais juste répondre en trois mots rapidement, je ne veux pas trop prolonger non plus, mais pour que la question ne reste pas sans réponse. Donc, il parle de Hume, il fait un rapport entre ce que je disais sur la confiance, il fait un rapport avec Hume et l'empathie. Et il me pose la question, la simple proposition de la confiance en tant qu'élément affectif important de la moralité fait-elle que la confiance se manifeste efficacement et pratiquement dans les gens ordinaires? Alors, juste pour dire, parce que je ne veux pas faire une théorie, je ne veux pas parler de la confiance, là, c'est trop long maintenant d'entrer là-dedans, mais juste pour dire, pour préciser une chose, c'est que pour moi, la confiance, justement, c'est essentiellement lié. C'est pas affectif, c'est pas psychologique. Ça peut se traduire psychologiquement, ça peut se traduire affectivement. Ça a des influences affectives et psychologiques, mais la confiance, telle que je la comprends, n'est pas liée à un sentiment. Pour moi, la confiance, c'est la structure même de l'action. C'est lié à la structure même de l'action. Pour agir, on est obligé. Structurellement obligé, donc c'est pas un choix en fait. On est obligé de parier sur les attentes de comportement de ce sur quoi on agit. Donc la confiance est une structure nécessaire de l'action. Si je veux marcher dans la rue, il ne suffit pas que je veuille marcher dans la rue. Il faut encore que je puisse nécessairement m'attendre à ce que le sol soutienne mes pas. C'est nécessaire. C'est pour ça que si on dit que il suffit que je veuille le faire, ça c'est une conception nominaliste, justement, de volonté souveraine, il suffit que je le veuille, mais non, c'est faux. Il faut que je m'attende. Parce qu'alors, je donne l'exemple ici du trottoir, donc on voit bien que c'est nécessaire que le sol doive me soutenir, donc je ne peux pas vouloir marcher si je pense que le sol ne va pas me soutenir, donc c'est nécessaire. Mais on le voit bien, si je suis sur la tour Eiffel et que je dis je veux m'envoler, alors ma volonté souveraine, évidemment, ne peut pas s'exécuter parce qu'il n'y a pas l'attente de comportement correspondante. Ça ne va pas. Donc, la volonté est nécessairement liée à des attentes de comportement qui ne dépendent pas de la volonté. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas seulement affectif. Après, je peux me sentir en confiance, je peux avoir un sentiment de confiance, ça c'est autre chose. Mais moi, comme je définis la confiance dans ma théorie de la confiance, c'est vraiment cette structure très fondamentale de l'action qui nous relie au monde, hein, qui fait que nécessairement, nous devons parier sur des attentes de comportement, sans quoi on n'agirait pas. Marc, je vais aller dans la provocation, ok? Ok. Ok, je ne suis pas d'accord avec vous. Ok. Pourquoi? Pour lo siguiente. Je le dis en français et après ensuite je le fais en espagnol. Ok? Ok. 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 Parce que je note qu'il y a une petite contradiction. D'un côté, vous vous déclarez que vous voulez rester fidèle à une approximation contextualiste. Ça veut dire être fidèle à l'expérience des acteurs moraux,
empiriquement, non, à l'expérience des acteurs moraux. Sans sélection parmi la diversité de ces expériences, avec la pluralité que ça comporte. Mais si on pense ainsi, si on veut rester fidèle à le point de vue en première personne dans votre proposition morale, comme les acteurs peuvent avoir une prétention générale dans son action, et donc proprement morale, vous répondez et vous disiez, ça c'est possible dans la mesure qu'on reste attaché à l'idée d'attente. Mais l'idée d'attente, pour être générale, ça suppose, je crois, l'idée de règles. Donc, l'idée d'institution. Donc, une médiation objective. Objective. Alors, on n'en reste plus dans la perspective subjective de l'expérience morale des premières personnes, mais en plus, il faudra additionner à votre pensée contextualiste, à la dimension du contexte, une dimension avec une prétention générale qui représente la dimension objective d'une institution, voire d'une règle. Et cette règle-là, ça permet précisément d'introduire un critère à partir duquel sélectionner parmi la pluralité de nos expériences ceux qui ont une portée générale. On vous écoute, monsieur Marc-Julien. Je pense que cette objection repose sur un malentendu. Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit. Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit. Et les règles et les institutions sont éminemment importantes. Alors là, on n'en a pas parlé aujourd'hui beaucoup. Sont très, très importantes dans l'expérience morale des acteurs. Les institutions préexistent, évidemment, aux acteurs et font partie de ce que j'appelle, dans l'homme en contexte, le contexte objectif. Donc, toi-même, tu as parlé d'une médiation objective des institutions, mais oui, évidemment, tout ce dans quoi l'acteur doit s'insérer, hein, a une dimension objective. J'appelle ça le contexte moral objectif, c'est le nom que je lui ai donné. Le contexte moral objectif avec toutes les institutions, toutes les règles, tout ce qu'on veut, toute la culture, tout ce que les parents nous ont appris, tout ce que l'école nous a appris, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle le contexte moral objectif. Donc, ce contexte moral objectif, néanmoins, ce que je dis, c'est que ce contexte moral objectif fait partie, justement, de l'expérience de l'acteur. C'est-à-dire, l'acteur, il est toujours déjà dans un contexte. Et ce contexte, pour lui, il est objectif. Et j'entends ici objectif très précisément au sens où il n'a pas le choix. C'est-à-dire, le contexte objectif n'est pas l'expression des préférences de l'acteur. Il est dedans, il le subit objectivement. Il est intégré dedans et il doit, et on lui demande d'abord de s'intégrer dedans, de s'intégrer à ce contexte. D'accord ? Donc, donc c'est l'essentiel. Il y a dans l'homme en contexte, il y a un schéma même pour exprimer ça. Je ne sais plus où il est. Voilà, page 98, mais il y en a un autre. Non, voilà, celui de la page 98, là, ce schéma qui justement montre. C'est ça l'idée, c'est de montrer qu'on est toujours dans un contexte objectif. Donc la morale, elle est toujours déjà là. La politique aussi, mais la morale, les règles morales, etc., ils sont toujours déjà là, n'est-ce pas ? La question, c'est de savoir, au fond, comment ce contexte objectif, c'est comment l'acteur, au fond, s'approprie ce contexte objectif, et puis après, peut essayer de le transformer, de ne pas répondre ou de se révolter contre, hein ? Je veux dire, la révolte chilienne, c'est une révolte contre le contexte objectif qui est imposé aux acteurs. D'accord ?
Et ça va se transformer en un autre contexte objectif. Donc, il n'y a pas du tout de contradiction. C'est-à-dire, au contraire, j'ai fait vraiment dans ce livre toute une réflexion, un peu ennuyeuse d'ailleurs, pour décrire toutes les dimensions du contexte qui sont un peu comme des cercles concentriques. N'est-ce pas ? Il y a d'abord ce que j'appelle le contexte tout à fait pratique, qui est celui qui est à notre portée, n'est-ce pas, ici, à portée de notre corps, ça c'est une forme de contexte, et puis ça s'élargit après quand l'enfant va à l'école, et puis après ça s'élargit encore, et puis, etc. Puis voilà, donc on est pris là-dedans. Donc il n'y a aucune contradiction, simplement parce que l'idée ici, c'est que ce contexte objectif peut être appréhendé à partir de l'expérience morale de l'acteur. Mais ça ne le rend pas moins objectif. Hein. Il est tout à fait objectif pour l'acteur. Il est absolument objectif. Comme je te disais tout à l'heure dans mon exemple, si quelqu'un aujourd'hui veut rétablir l'esclavage, on le prend pour un fou. C'est illégitime. C'est une demande illégitime. Parce que le contexte objectif est tel que l'esclavage n'est pas possible aujourd'hui. Donc, c'est un contexte qui n'est pas à notre disposition. C'est en cela qu'il est objectif. Et il est absolument constitutif de l'identité personnelle et collective. Okay. Donc, il n'y a aucune contradiction. Ok. Marc Unyadi. Lorsque, cuando yo sé primero en español y después en francés, y este creo que ya siendo mi última pregunta. Primero en castellano. ¿Cuándo en la historia de la humanidad se ha producido la defección de los contextos, la defección de las instituciones, la filosofía, la defección de la moral, la filosofía respondió por la ética? Ese es el caso, por ejemplo, en Ricoeur, apelando a una mención de alteridad interior a la conciencia ética en sí mismo como otro. En el caso de Levinas, a la defección de la moral o el contexto, ha respondido por una solicitud del otro, del absolutamente otro, que está más allá del contexto. A la defección de la moral, la respuesta, por decirlo así, desde la ética. En el caso de Honneth, la demanda de reconocimiento del otro, la demanda de reconocimiento intersubjetivo. Pero me da la impresión que Marc Unyadi, frente a la defección de la moral, no responde por la ética ni deja espacio a la ética, sino que a la defección de la moral solamente queda la respuesta a la moral. Maintenant en français. Il me semble, Marc, que lorsqu'on a touché ce point, mais on revient là-dessus. Lorsque se produit la défection de la morale, on a déjà parlé de ça, la Sittlichkeit, la perversion de la Sittlichkeit, hein, dans le cas de Ricoeur. Mais Ricoeur, dans la perversion de la Sittlichkeit, comment il répond à la déchéance de la morale par l'éthique. Et concrètement, l'éthique ou la conscience se montre comme un autre, comme avec une capacité d'induction éthique à partir d'une certaine altérité intérieure à la conscience. Voilà l'idée de soi-même comme un autre en très peu de mots. Okay? Donc, Levinas, à la défection de la morale, elle répond par l'éthique. Laquelle ? L'induction éthique de l'autre. Au-delà de l'être, de l'autre absolu, qui se montre par la défection du visage d'autrui, et qui fait signe à l'infini. Dans le cas de Honneth, aussi, il y a un espace pour l'éthique, dimension éthique qui se produit à partir de la demande de reconnaissance intersubjective d'un autre. Mais il me semble que pour Marc Unyadi, les choses ne se passent pas comme ça. Il n'est pas certain qu'il y a de la place pour l'éthique dans votre pensée. Et par contre, qu'à la défection de la morale, vous contestez en faisant une place encore pour la morale. Voilà ma dernière question et dans la provocation toujours. Ben, moi, je vais te provoquer en retour.
à mes yeux, ce que tu appelles la défection de la morale, donc tu veux dire la disparition en quelque sorte de la morale. La mise en crise de la morale. Quand les valeurs sont inversées. Ok, mais ça je conteste absolument. Pour moi, il n'y a pas, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas de défection de la morale. Pour prendre l'exemple de Ricoeur, Ricoeur parle effectivement à la suite de Hegel de la Sittlichkeit pervertie et il pense au nazisme. Mais le nazisme n'est pas une perversion de la morale. Le nazisme est une autre morale. C'est-à-dire, c'est une perversion de notre morale. Et évidemment que dans ce cas, je suis tout à fait d'accord avec Ricoeur, et je le cite dans l'article, c'est une phrase que j'admire, mais on a exactement la même pensée chez Hannah Arendt, d'ailleurs. Au fond, les valeurs, il dit l'éthique se réfugie dans le truc. Non, je ne dirais pas comme ça, c'est une question de vocabulaire. Je dirais, personnellement, dans ce cas, les valeurs contrefactuelles, d'autres valeurs contrefactuelles très fortes, se réfugient évidemment chez l'individu parce que le pouvoir a changé de camp. Donc là, c'est une question vraiment de domination politique. Les nazis ont pris le pouvoir et ceux qui étaient contre les nazis n'avaient pas le pouvoir de changer les choses. C'est vraiment une question de domination politique. Mais je ne dirais pas que la morale a disparu et elle a été remplacée par l'éthique, ou etc. Non, une morale a disparu et certains ont voulu conserver l'ancienne morale dans leur fort intérieur. Et c'est de là, à partir de leur fort intérieur, de leur conviction, de leur conscience morale, en réalité, qu'ils ont essayé de lutter contre le régime. D'accord ? Donc, moi, j'ai toujours été... Maintenant, je réponds un peu autrement à la même question. J'ai toujours été dubitatif sur cette question de l'éthique et de la morale. Ce que je constate, c'est que dans les théories morales, l'usage entre éthique et morale n'est pas du tout stabilisé. C'est-à-dire qu'on appelle éthique ce que d'autres appellent morale et inversement, et on ne sait absolument pas ce que c'est. Ça veut dire que, en fait, chaque auteur, au moment où il écrit un livre ou un essai de morale, doit préciser ce que lui entend par éthique ou morale. Parce que, en fait, ça correspond à aucune définition stabilisée, aucune définition fixe. D'accord ? Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, on peut éventuellement, conventionnellement, se mettre d'accord sur morale et éthique. Moi, je trouve cette distinction inutile, en fait. Et comme, en fait, elle n'existe pas, puisqu'elle recouvre des choses totalement différentes, en réalité, selon les auteurs. Donc, moi, je serais pour abolir. Et aussi, le concept de contrefactualité, il sert aussi un peu à ça. Dans l'exemple de la Sittlichkeit pervertie, encore une fois, c'est une certaine forme de contrefactualité que seuls certains individus, mais non plus la population dans son ensemble, a voulu défendre, n'est-ce pas ? Alors, on peut appeler ça éthique. Moi, ça m'est égal. Moi, je n'appelle pas ça éthique par opposition à la morale. C'est la force d'idéaux contrefactuels qui se sont réfugiés chez des individus qui veulent faire valoir ces idéaux. Voilà. Donc, c'est une autre stratégie de réponse que ma première partie de réponse. Je dis que cette distinction entre éthique et morale, elle n'est pas valable, elle ne vaut rien, en fait, parce que même entre Ricoeur et Levinas, ils ont un usage complètement différent de ce que c'est que l'éthique et de ce que c'est que la morale, par exemple. Donc voilà, débarrassons-nous de ce vocabulaire un peu poussiéreux et qui porte à confusion. Et tu vois, mon idée, c'est de dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ricoeur, sauf que n'appelons pas ça éthique et morale. Voilà. Une morale a été vaincue. Mettons-la, disons, pour le dire vite, la morale des Lumières a été vaincue par le nazisme. Okay, ce n'est pas la morale, c'est une morale, c'est la morale des Lumières.
Et la morale des Lumières a été conservée dans la conscience, hein, de certains acteurs devenus minoritaires. Cette morale des Lumières est devenue contrefactuelle dans la situation historique du nazisme. Elle est devenue contrefactuelle. Voilà. Eh bien, ces gens ont agi au nom de cet idéal contrefactuel. Moi, c'est comme ça que je décrirais le même phénomène avec un autre vocabulaire. Muchas gracias, Marc. En esta oportunidad no voy a traducir porque ya creo que estamos muy pasados de la hora. Pero solo para terminar, Marc, primero en castellano y después en francés. Después de escucharte largamente, Marc, y haber leído tu libro y tus textos, ¿es que acaso Marc Hunyadi no escribe un bello tratado de teoría moral que no quiere decir su nombre? Cher Marc, après de te lire L'homme en contexte, si bien que ton article, est-ce que finalement on n'a pas la sensation d'être en face d'une théorie morale qui ne veut pas dire son nom? C'est une question, je dois répondre à cette question. Comment ça? Tu peux rester en silence si tu veux. Non, mais évidemment, je suis un théoricien de la morale. Je suis un théoricien de la morale, oui. Donc, c'est une théorie morale. Mais ce n'est pas une théorie morale au sens où l'utilitarisme est une théorie morale ou bien où l'aristotélisme, la théorie des vertus est une théorie morale. Je ne défends pas la vertu, je ne défends pas le bien-être, je ne défends pas le devoir. C'est plutôt une théorie métamorale ou une métathéorie morale sur ce que c'est que vraiment la morale, sur ce que c'est que l'expérience morale. Qu'est-ce qui constitue l'expérience morale? Maintenant, l'expérience morale, elle est absolument multiple. Elle est absolument multiple. Ça, c'est quelque chose de fascinant que les théoriciens ne doivent pas oublier. Là-dessus, par exemple, c'est une chose que j'ai beaucoup admirée chez Michael Walzer. C'est qu'il réussit à montrer comment une société est vraiment plurielle dans ses critères moraux. Qu'on est utilitariste pour certains critères, on est déontologiste pour d'autres critères, pour d'autres domaines, etc., etc. Et ça, c'est absolument fantastique. Et donc, au fond, il n'y a aucune théorie morale qui vaut, n'est-ce pas? C'est plein de théories morales. Ça, j'aime bien ça chez Walzer, n'est-ce pas? Parce que Walzer, en fait, il est historien de formation. Il a une perspective historique. Il n'a pas une perspective économique comme la plupart de ses collègues. Il a une perspective historique. Et donc, il est sensible à la multiplicité des choses. Alors, moi, j'essaye de faire une espèce de théorie de cette multiplicité, en quelque sorte, en parlant de contrefactualité. Et dans la contrefactualité, tous ces différents critères moraux que Walzer énumère les uns après les autres, entre dans la contrefactualité. C'est toutes des formes, évidemment, de contrefactualité. Et c'est, au fond, c'est l'ensemble de ces contrefactualités différentes qu'il faut faire tenir ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu une métathéorie, en quelque sorte. Mais si tu me dis que je suis un théoricien de la morale, je ne vais pas me vexer. Hein. Ok, bon. Mais on va prendre en considération ça. Okay. Et Marc, je vais donner le mot final à Ricardo, pero solamente de mi parte. Marc, te agradezco sinceramente este magnífico momento de diálogo con esta capacidad de resistencia y juventud, porque en Bélgica, en este minuto, son, si no me equivoco, prácticamente la 1 de la mañana. Hemos abusado de ti al extremo. Ça va, merci. Non, avec plaisir, c'était avec plaisir. C'est vraiment un plaisir. Je suis très personnellement impressionné par ton travail. Donc, un grand merci de ma merci. Part pour être aujourd'hui avec nous. Merci à toi. Oui, moi aussi, Marc, je suis très reconnaissant de ta capacité de réflexion profonde. Et alors, bon, il n'y a pas de lien mot. Je pense que nous sommes dans un stade de continuer la réflexion qui,
qu'on a commencé depuis 300 et on aimerait beaucoup de te voir encore une fois à Temuco et à Valdivia. Et pourquoi pas, disons, avec tout ce qu'on est en train de faire dans notre société. Et je pense qu'il y a beaucoup de tes avis qui sont très importants pour notre réflexion éthique et politique. Alors, un grand merci au nom de tous nos étudiants et bon, et repose-toi. Hein? Merci beaucoup, merci Ricardo, vraiment, c'était un plaisir. Hein? Je sens un climat très amical et c'est très agréable de parler, on aurait pu continuer encore. On pourra refaire ça une autre fois. J'espère aussi te voir en Europe bientôt. Oui, oui, on a des possibilités avec Cristobal d'aller en France et pourquoi pas en Belgique. Ah oui, alors formidable. Ah ben super, okay. Très bien. Parfait. En tout cas, moi je vous remercie très chaleureusement. C'est un plaisir. Ok. C'est un honneur. Muchas gracias, Marc. Paulina, ¿tienes algunas palabras de despedida? Muchísimas gracias. Ha sido un placer leer el texto y poder conversar tan llanamente, tan amablemente. Merci, merci a vous. Gracias. Sí. Sí. Merci beaucoup. Merci. Bon. A bientôt. A bientôt. Merci. 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 Sincèrement, merci beaucoup, Marc. On se reparle.